And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Whoa, and get a little bit stranger when everything is upside down. A tremor in the underground, the nights are gonna take this town. Whoa, and get a little bit stranger, stranger. Pile poil quand la musique s'arrête, c'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on se retrouve encore une fois pour du Dimension Zéro. Oui, Dimension Zéro. Alors, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes prêts pour la suite. Attendez, je me mets correctement sur le jeu. Voilà. Et clic. Comme ça, je vous spoil pas tout de suite. Bonsoir. Merci grand geek Luffy pour ton 10e mois. Bonsoir à toi. Et salut Poifif, merci pour les 200 bits, très gentil. Oui Paroc. J'ai eu deux jours de... On va dire PHP SQL, mais c'était plus de la logique de programmation que j'ai appris. Donc pas vraiment le langage en lui-même. Et ensuite j'ai eu 3 jours sur Adobe Premiere. Donc j'ai appris à me servir d'Adobe Premiere. Donc aujourd'hui je peux monter sur Adobe Premiere sans aucune difficulté. Pour ça que pour le moment je suis sur Sony Vega. Peut-être que je vais passer sur Adobe Premiere. J'hésite encore. Merci Azerty pour les 10 bits. J'ai commencé Regrowth. Ah bah bon courage à toi parce que Regrowth, la clé de ce modpack, c'est millénaire. Donc si j'ai un conseil, attends la fin du jeu, la fin du modpack pour faire millénaire. C'est comme ça qu'on fait le modpack. Nouvelle dimension, une exploration assidue ou un mind break du stockage. On va voir ce qu'on va faire. J'ai commencé un petit peu à travailler un peu avec la base, voir qu'est-ce qu'on allait faire. Il y a quelques idées qui sont venues et justement j'aimerais vous montrer un truc. D'ailleurs au niveau des écritures... j'aurais dû noter le pseudo. Je crois que c'est Yoshi qui m'a dit ça. Il m'a donné le nom du mod qui change les textures des textes. Attendez, je vais enlever la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Ouais, texture des textes. Je l'ai changé et la texture des textes venait du mod. Oh, fonte.
Smooth Font Core. Donc je suis allé dans Smooth Font Core, je suis allé dans Config et j'ai mis Set to Default. Ça m'a fait crash le jeu, j'ai relancé le jeu et du coup j'ai retrouvé ma police que j'aime de Minecraft. Donc là, on est bon. Donc merci Yoshi de m'avoir donné cette indication. Sport de pré-adopt première, 60 euros par mois. Donc oui, c'est un peu cher, mais c'est toute la suite Adobe. Je pense que si je prends que Adobe Premiere, ça me coûterait à peu près 10 à 15 euros par mois. Je peux vérifier au détail, mais si je prends Adobe, je prends toute la suite Adobe, étant donné que je vais m'en servir dans mon métier. Donc, du coup, merci Lunique pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci à toi. Ça va s'afficher normalement sur le moment. Alors, oui, j'avais dit que je voulais vous montrer un truc. On m'a donné une photo sur mon Discord. C'est un tag, on va dire, des égouts de Tortue Ninja qui m'a inspiré, on va dire, pour faire un petit peu la base. Donc, je vais vous coller ça là-dessus. Voilà. Vite fait, merci l'unique, du coup, ça s'affiche. Voilà, donc j'affiche ça ici. Donc, voici le tag. Très, très, très bien fait, le tag. On est sur du plat, hein. Ici, on est sur du plat. C'est pas un trou, hein, c'est vraiment du plat et le mec il a dessiné avec les perspectives, ça c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, je vais m'inspirer un petit peu de ça pour qu'on puisse se faire la base, n'est-ce pas? Mortel, pour l'instant je ne travaille pas, j'apprends à mon métier, il sera développeur web. Adobe, c'est pas de l'Adobe. Bravo monsieur! Faire un mob dans le Nether ce soir. Bah écoute, on va peut-être essayer de faire ça tout de suite. Mais avant, on se met dans le jeu. Bim. Et j'aimerais vous demander votre avis. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite à préparer le Stropole. Parce qu'on commence sur le chapeau de roue. Hein. On commence direct avec un Stropole. On perd pas de temps. Ok. On va taper... Alors, il y a... Je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il y en a un, c'est Immersive. Ok, il y en a un, c'est Ember 1. Je crois que c'est Ember. Ouais, c'est Ember 1. Ember 2. Et le dernier, c'était Extra Utility. Bon, Extra U, ça m'étonnerait qu'on va l'avoir. Alors, j'ai préparé le Stropole. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. On va utiliser des câbles ici. Ok, on va utiliser des câbles pour simuler un petit peu les tuyaux qui partent un peu dans tous les sens. Et donc, mon idée, c'est de vous demander de me répondre. Quel type de tuyau on va utiliser? Vous avez Immersive, vous avez Ember 1, Ember 2 ou alors Extra Utility. Let's go. Please. Ah, il veut pas! Il veut pas! Paul. Faut que je change le lien. Voilà. Allez, affiche-toi. Please. Pourquoi il s'affiche pas le Paul? Ah, j'ai pas fait Start Paul. Si je mets pas start, ça va pas marcher. Hein. Merci DoubiFree pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu. Ah, je sais pas comment vous montrer tous les pipes. Voilà, vous les voyez sur le côté, les pipes. Là. Donc voilà. Et merci également Kevin Game pour ton 8e mois d'abonnement. Toujours du bonheur à te regarder continuer comme ça. Merci beaucoup Kevin Game, c'est très gentil. Alors on est sur du Immersive. Je m'attendais un petit peu à ce que Immersive ressorte parce qu'il ressemble vraiment à un beau tuyau des égouts. Donc ça me rassure dans le fait que moi aussi j'aurais choisi Immersive. Alors encore une fois, n'hésitez pas à ne pas voter deux fois puisque votre vote compte qu'une seule fois et que je le vois quand vous avez déjà voté. Parce que là vous êtes en train de voter, je vois tous les pseudos passer. Donc, éviter de voter plusieurs fois, ça sert à rien. Je crois que je crois qu'on va s'arrêter là. Il n'y a même pas besoin de revoter plus. Hein. Bim, on s'arrête. C'est logiquement Immersive qui va rester. Toute logique. Là, est très sympa. Merci Darknet. Death Reaper qui a rien compris. Nameless non plus. Les pauvres. J'ai une question par rapport à ton thème des Tortues Ninja. Les deux coins de ta base seront aussi incurvés ou plats? Les deux coins, c'est-à-dire les deux coins. Tu parles... Oh, peut-être que je coupe ça aussi. Voilà, ça sera peut-être mieux. Très bien.
Tu parles de quel coin? Tu parles de ce coin-là et de ce coin-là, c'est ça? Pendant que tu réponds, je vais regarder qu'est-ce que ça donne de mélanger ces câbles. Je crois pas que ce soit super faisable. Hein. Tac, tac. Ouais, ces deux coins-là. Non, 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 toute la base sera fait de sorte qu'on soit dans des égouts en fin de compte. Là, vu qu'on est au début de la base et qu'on commence à faire de la déco, tout ce qu'il y a ici, là, tout ce qu'il y a là, ça va disparaître. Pareil pour ce qu'il y a là-bas, il faut que je continue un petit peu la zone. Du coup, si je continue le câblage... Oh! Ah! Ah, on peut avoir de la connexion avec ces câbles, eh! Hey. C'est stylé! Bon, c'est dommage, c'est pas tellement la même couleur. Bon, lui, il se connecte pas du tout, donc lui, on l'abandonne. Hein. Mais ces deux câbles-là se connectent. Donc, principalement, on va utiliser celui d'Immersive et ensuite, on utilisera peut-être celui d'Ember. Ah, la connexion est vraiment sympa. Hein. Je pense qu'on va faire un petit truc avec ça. Donc, ce ne seront pas des câbles qui vont nous servir pour travailler, mais ce seront des câbles pour faire de la déco. En plus qu'une roue, et ça ferait tellement... Ah, je crois qu'on peut mettre des roues. Il me semble. Je crois que c'est avec Ember que je vais pouvoir faire ça. On va regarder rapidement Ember si on peut mettre une roue. Pour avoir une sorte de valve. Mais il me semble que c'est jouable. Hein. Donc, item pipe, non. Ça, non. Donc, on va garder le fluid pipe. Et du coup, ce fluid pipe, c'est logique que ça se connecte finalement. Alors j'ai tapé briques pour voir un petit peu les briques qu'il y avait pour la déco, mais bref, qu'est-ce que je cherchais? Ouais, Ember. Il me semble que ça fonctionne. Genre si je mets ton câble ici et que je m'essaye là. Oh. Ça ressemble à une valve sans pour autant ressembler à une valve. Ça on peut s'en servir comme élément de déco. Est-ce qu'on a autre chose qu'on pourrait se servir? Pas l'impression. Mais ça y ressemble. Bonsoir vidéo, avec ton stream familial. Tu as des ventilations avec les futurs, il me semble. Alors, oui, mais je ne pense pas m'en servir. On verra, on verra. Je sais pas encore tout à fait. Thème dropper, ça m'intéresse pas. Lanterne non plus. Ouais, non, je pense que c'est déjà pas mal, ça. Hein. Par contre, le coup des grilles... Ah oui, c'est vrai que j'ai mis des grilles, du coup. Donc ouais, j'ai mis des grilles ici pour qu'on puisse passer. Il y a de très fortes chances que, en fin de compte, ce que je vais faire, parce que j'aime bien quand c'est quand même carré. On est dans les égouts, mais on va faire quand même un truc carré. Donc en gros, ici, on aura notre allée principale. Ok, je pense pas y mettre quoi que ce soit là, donc il y aura peut-être de la déco. Mais en gros, notre base va se passer dans ces couloirs-là. Donc on aura par ici le liquide qui va couler. Et sur les côtés de ces longs couloirs, on aura des passages. Alors je sais pas encore comment je ferai les passages, mais qui amèneraient à d'autres salles. Ok, qui amèneraient à d'autres salles pour la base justement. Et il y a de fortes chances qu'il y ait de temps en temps bah, des zones comme ça. Donc qui ressemblent à des couloirs dans les égouts. Mais où la grille est complètement fermée en fin de compte. Pour qu'on ait un semblant d'égout pas forcément tout le temps ouvert de partout. Quoi. Ember, c'est un mode très sympa. Et du coup, merci Darknat pour ton bits. Pour le bout des égouts, tu peux faire une grosse cascade de produits chimiques. Justement, c'est un peu l'idée. La base que j'avais prévue, c'était de mettre un fond un peu en brique, mais peut-être un peu plus foncé avec un contour. Et justement, le fameux liquide. Non, il n'y a pas Carpenter. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Et merci, Belking, pour les 200 bits. Bonsoir, MLG. Et le chat, bonsoir à toi. Vois-tu mon message, A7? Non. Enfin, je viens de voir celui-ci, mais pas l'autre. Sauf si tu m'en as pas envoyé d'autres. Oui, Yosh. Oui, j'ai écouté ton commentaire. Regarde le chat. Tac. J'ai regardé le mode. Je l'ai mis en par défaut. Et du coup, j'ai retrouvé mon écriture. Merci à toi, Yosh, en tout cas. Donc c'était Yosh64 qui m'avait donné l'astuce. Grand merci à ce monsieur.
Je vais garder les pipes sur moi. Ok, pour se souvenir que c'est ceux-là qu'on va servir pour faire la déco. On m'avait parlé la dernière fois de changer le biome de là où j'étais pour avoir une nouvelle texture au niveau de l'eau. Pour avoir une eau qui est polluée. Donc ce qu'on va faire, et ça va probablement faire plaisir, c'est qu'on va partir... Wow. Ah, c'est vrai que je peux pas dormir sur ce modpack. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment pas mettre le jour? Non, on peut pas mettre le jour. Non, j'ai pas envoyé d'autres messages, juste parce que j'envoyais des messages et ils ne s'affichaient pas. D'accord. Si, normalement, c'est bon. Salut Cactuxium! Pour le feu, il y aura l'armure rouge domesticale. Non, elle a désactivé cette armure. Enfin, elle existe, mais je peux pas la porter. Non, t'as juste raté un straw poll pour choisir quel type de tuyau on allait utiliser pour la base. Alors, oui, je disais, on va explorer un peu le monde, d'accord? On va explorer le monde pour trouver le biome qu'il nous faut. Et on va récupérer les composants de ce biome, en tout cas l'attribut de ce biome, pour qu'on puisse le remettre chez nous. Donc on va regarder un petit peu où est-ce que l'eau est dégueulasse dans le monde, littéralement. Et c'est avec Extra Utility qu'on va pouvoir faire ça. Donc on va lui demander de nous crafter un biome maker. Voilà. Donc le biome maker, on a juste à faire un clic droit sur le biome où on est, et c'est bon. Ok. Donc là on va sortir, et c'est vrai qu'il faut utiliser ce petit outil. Très sympathique, on va ranger un peu ce qui ne sert à rien. Ça devrait être bon, je pense. Yep. Dehors. Oh, le lag. On va aller au niveau d'Astral. Il y a du monde là? Ah oui, il y a du zombie là. Très bien. On va aller au niveau d'Astral. Est-ce que j'avais laissé un craft là-dedans? Mais oui, j'avais laissé un craft là-dedans. Terminons-le. J'avais oublié. Ok. C'est une quête normalement. Non, je devais le recrafter en autre chose. Bon, on s'en occupera plus tard de ça. Ok. Alors. Slime Sling. Hang Glider. Regardons sur la map. Est-ce qu'il n'y a pas une zone qui serait propice? C'est vrai que là-bas, on a plein de nouveaux biomes. Donc, on n'a pas énormément exploré en vrai, à part cette partie-là. Ici, on a de l'eau violette. Si on avait envie d'un truc violet, ça aurait été bien. C'est vrai qu'il y a une méga structure là-dedans. Là-dedans, je crois que l'eau est classique. Hein. Est-ce que j'ai un seau d'eau sur moi? Non, j'ai que du... Ok, je vais aller me prendre un bucket. Au moins pour que je puisse être tranquille. J'ai pas de bucket. Done. Voilà. Je peux le ranger, ça d'ailleurs, ça me sert à rien. Dehors, on va récupérer un seau d'eau et on est parti pour se balader. Il faut que je coupe ça, que je coupe ça. Je passe un chouille le son, ou alors que je monte le son carrément mon cas, c'est peut-être mieux. Y'a que moi qui lag, pour le coup, oui, je pense. Alors c'est incroyable, il y a un truc qui a spawné dans une zone qui était clear ici. Hein. Ma foi. Ma foi. Donc, dirigeons-nous, on va quand même regarder dans cette zone-là. Voir ce que ça donne. Ok, non, l'eau reste classique ici. Hein. L'eau reste de la même couleur. C'est juste le sol qui change de couleur. Ok. Oh, nice. Tac, tac. On va essayer de prendre de la hauteur. Ok. Donc on va... Bon, on va aller tout droit par là-bas. Et on verra. Biome marais, je sais, mais j'en ai pas encore découvert de biome marais, donc il faut qu'on regarde si je peux en trouver un. Ah, c'est vraiment dégueulasse, c'est dommage ça. Wow. Il y a une structure ici. J'ai chopé des conneries. Comme d'habitude, il y a plein de conneries qui traînent. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah ouais. Ah ouais, t'es comme ça toi. Calmer moi. Tu vas te calmer, je t'ai dit. What the fuck? Comment ça se fait qu'il ait autant de vie lui? Oh, il y a un village par là-bas. Il y a un dragon ici dans le coin. Alors là-dedans, il devrait y avoir du mob. Ouais.
On va se les faire. Casse-toi. Il y a peut-être des spawners aussi, je suis pas sûr. Ok, oui, il y a du spawner. Ils sont où les spawners? What? Attends. Lol. Ils sont où ces spawners? Je les vois même pas. Parce que là, ça spawn, on est d'accord. Hein. Ouais, ça vient de spawner ici. Il doit y avoir un spawner quelque part. Oh, lui, il a plein de vie, lui. T'es mort. Non, il n'y a pas de spawner. What? Bon, c'est pas grave. Pétons ces trucs-là. Hein. On verra ce qu'il y a dedans après. Bon, ça suffit. Ça suffit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Calme-toi. Ok. Plein d'outils. C'était que pour des outils. Ah, il brûle, ça veut dire qu'il commence à faire jour. Bon signe, ça. Ah, ça marche pas. Voilà. Dirigeons-nous par ici, pour l'instant, pour se mettre à l'écart. Éclaire la zone. Je pense pas que ce soit dû à ça. Hein. Ok. On a un sacré village, c'est les fameux villages où il y a beaucoup de loot dedans. Je vais passer au-dessus pour savoir qu'il y en a un. Ok, ce soir il y aura un rift. Mais je vais rien y faire dedans en vrai. On va pas le dépouiller parce que c'est pas notre objectif. Ça nous intéresse pas dans l'immédiat. On va juste passer au-dessus histoire de dire on l'a trouvé. Hey! Il est pas petit hein. J'entends du bruit. J'ai entendu du bruit. Peut-être que moi. Hmm. Ouais, les maisons des villages sont sympas. Hein. Alors, est-ce qu'on peut... Ok, on a trouvé un autre biome violet. Ici, on n'est pas vraiment dans les marais. La couleur de ce biome m'intéresse pas. Par contre, les arbres sont vraiment très jolis. Hein. Un jour, je referai une base avec ces arbres-là. Oh la vache, ça lag ici. Parce que je me souviens, sur Agnamod 2, j'avais utilisé des arbres avec cette couleur de feuilles. C'est ça, il y a un bruit de cloche en clume, on est d'accord. Hein. Je suis pas fou. Oh, sympa ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas l'escalier pour aller au niveau du... Si, c'est totalement ça. C'est pour aller au métro, ça. Pour l'instant, on trouve pas le biome. Hein. Enfin, on trouve pas deux biomes. Intéressant. Oh là là, ce lag. Génération du monde. Je vois un truc dans l'eau. Non, j'ai dû rêver. Merci Olivier pour les 10 bits. Merci Boombang pour le bit. Et merci Azerty pour les 10 bits. Je te demandais si je pouvais jouer Harry Gross en Peaceful ou pas. Ah, tu peux jouer à n'importe quel mode pack en Peaceful. C'est moins drôle, mais tu peux. Ok, définitivement, ce modpack n'est pas tellement optimisé pour l'exploration. Hein, ce qui est dommage, parce que c'est un modpack aventure. Et je crains le pire quand on ira dans la Twilight, parce que la Twilight de base, elle est ultra laggy. Ça risque d'être rigolo quand on va devoir y aller. J'ai l'impression de trouver que les mêmes biomes en vrai. Hein. Il y a un bateau pirate. Oh oui, il y a plein de pirates là-dedans. On va se les faire. Ah, le lag, quoi. Zerio, j'ai déjà dit quand est-ce que je ne streamais pas. C'est le week-end de WrestleMania. Donc tu peux regarder sur Google quand est-ce que WrestleMania commence. Et tu auras les dates. Ah oui, t'en as un gros méchant à 4 étoiles là-haut. Hein. Ah ouais. Il a l'air vénère. Quitte, tu vas mourir. Ils sont résistants en vrai ceux-là. Hein. Ok, calmez-vous là-bas. Il y a le capitaine avec son perroquet là-haut. En vrai, normalement, il n'y a rien d'intéressant dans ces bateaux pirates. Hein, mais bon.
C'est fun, on se le fait. Oh là là, le temps que je vais passer à couper ça. Yep, Cactuxium, c'est la même pour moi. Je suis à fond. Ah, je tombe juste en dessous d'un coffre. Est-ce qu'on peut casser le coffre rapidement? Nope, mais c'est pas. On va prendre le temps de le casser. Faut rentrer dedans. Alors, je vais monter le son de du jeu après. Parce que le son du jeu n'est pas assez fort. Je trouve. Ils sont énervés. Et il y a un putain de lit qui traîne ici, quoi. Ok, c'est bon. Le lit va se casser rapidement. Ok, on est rentré. Très bien. Effectivement. Voilà, là, ça devrait être mieux, hein. Décède. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gros pavot, là, avec ses 4 étoiles, là. Voir ce qu'il me réserve. Tiens, tout est mort. Dans les coffres, en vrai, il y a vraiment rien d'intéressant, hein. À part ça et ça. Ok. Rien. Bon, les pépites, je m'en tape. Là, je m'en tape. Oh, ça, je veux bien. Alors, là-haut. Oh, il y avait des loots. Ok. C'est lui le méchant? Ouais, c'est lui le méchant. Et lui, il a plein de points de vie, en vrai, hein. Qu'est-ce que j'ai chopé comme ça? J'ai chopé Wither. Oh là là, il me met des saloperies de toile d'araignée en plus. On va se le faire, hein. Tu meurs ou pas? Qu'est-ce que tu vas donner comme loot? Oh, tu donnes plein de trucs. Cinq modifieurs. Je comprends pourquoi on m'a dit qu'il y avait un gars qui en avait farmé beaucoup de ça. C'est fumé! Très bien, on s'est fait le bateau pirate, du coup on a eu le temps de générer un petit peu la zone. On va pouvoir partir dans cette direction toujours. Il y a un méga slime bleu d'ailleurs. Oui, il y a une île là-haut, ok. Il n'y avait pas une Nether Star, non. Ah, il y a les sirènes là-bas, vite. J'ai pas envie de les voir. Le lag. Ok, on arrive ailleurs. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à voir sur cette île? Ok, il y a encore cette zone-là. Une grosse... Des immeubles encore, c'est ça? Ouais. Comme d'hab. Est-ce qu'on va vraiment trouver un marais avec une couleur d'eau qu'on aimerait avoir? Je vous le demande. C'est une structure qui s'est créée sur l'immeuble, quoi. Fonce là-bas. Hop. Wow. Oh, je me suis arrêté à côté d'une île. Enfin, d'une zone avec un dragon. C'est tellement pas intelligent. Et c'est pareil, j'ai toujours pas trouvé de biome. De biome froid, en fait. Hein, depuis tout à l'heure que j'explore. Toujours pas de biome froid. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des variétés dans les biomes. Hein. Ah, si, il doit y avoir du marais dans la Twilight. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Et pour le coup, il me semble qu'on a le compass. On va aller regarder ça. Ah, peut-être qu'il y a une notion nord-sud. C'est possible, peut-être qu'il y a ça, je ne sais pas. Alors, nous sommes ici. Compass. Ça m'intéresse. Nature compass, toujours très pratique. Voilà. Ok. Et puis en plus, c'était une quête. Très bien. Pas de ville sur 4000 blocs. Ah oui. Alors, la clé, on va la ranger. Et du coup, compas.
On va lui demander search. Je peux cliquer sur search. Sort by name. Je peux pas chercher. Je peux pas cliquer sur search. Rainfall, top block, name. Donc on cherche quoi? On cherche marais. Swampland. Oh là là, faut aller tout en bas. Swamp. Ok. Dans cette direction, apparemment, il y a un swampland. Donc on va y aller. Du côté long de ta base, prends les spawn eggs de dragon de glace pour la quête. Je pourrais toujours aller chercher ces spawn eggs. Je vais garder ça ici et ça comme ça. Merci Cactixium pour ton abonnement. Bienvenue parmi les abonnés. Alors, par là-bas. Oh, les sirènes. Oh, je les ai esquivées. Oh non, je les ai pas esquivées. Oh là là, je les ai pas esquivées. Tirez-vous! Tirez-vous les pas belles! Oh, vous êtes pas belles! Oh, vous êtes pas belles! Oh, vous êtes moche! Oh, vous êtes moche! Sirène à deux balles. J'ai l'impression de voir un nouveau type de biome à droite là-bas. Plus de sirène? Non, c'est bon. Du coup, le biome marais est dans cette direction. Hein. Ok, let's go. C'est bon les sushis. Wow. Ah, je suis tombé sur une Death Forest. Ça peut être intéressant pour regarder la couleur de l'eau. J'aime beaucoup ce biome. Ok. On est sur un... Ah, voilà. Ah non, c'est marron. Enfin, c'est violet. Pas totalement la couleur qu'on aimerait avoir. Ça, c'est dommage. Donc encore une fois, Cactixium, merci à toi. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Mais c'est sympa ça comme type de biome, j'aime bien avec du thorns un peu partout, des grosses ronces et tout. C'est joli. Ah, c'est vrai qu'il va faire nuit, qu'est-ce qui va se passer? Ok, the gate to hell are opened. Being of the nether are approaching. Donc ça va être un rift nether. Oh! Ah non! Alors on a l'impression que l'eau est dégueulasse ici, mais c'est juste le fait qu'elle est bleue là, hein, si on regarde bien. Wow. Ok, ça a commencé déjà. Hein. C'est par là-bas. Vache, faut aller loin en fait. Hein. Oh, c'est terrible. Ça c'est terrible, quand t'es dans l'eau comme ça... Fais gaffe, Kain arrive. Oui. Invasion de frites ce soir? Oh, je ne sais pas. Ah ouais, mais ça spawn en mode bas les couilles, quoi. Ça spawn vraiment n'importe où. Hein. On a Blaze là-bas. Est-ce qu'il peut me target de là où il est? Je ne sais pas. Attends, le pigman. Si je peux le faire. Hein. Il y a un ghost. Rotten Flesh. Pigmen encore là-bas. T'as pas un bateau? Faudrait que je m'en crafte un bateau. On va se poser dans l'eau là. On va prendre du bois, on va se faire une table de craft, on va faire un bateau. Je me dirais, il y a la terre ici. On va peut-être se rendre directement sur la terre. Ce sera peut-être plus simple. C'est quoi ces particules là? Ah, c'est ok. Très bien. Ouais, joli petit cœur. What the... Calme-toi. T'as de là, on va pouvoir se faire propulser, là. Parce qu'on a les pieds... Enfin, on a pied. Ok, go. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Est-ce qu'on arrive sur un swampland? J'ai l'impression que c'est un swampland, ça met l'eau... The fuck. Ah oui, c'est ces conneries là. Va te calmer mon pote hein. Non mais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Ah, c'est des cochons. Je pensais que c'était un être difforme. Oui. Oui. Calme-toi avec les TNT.
Oh, faut que je continue à les buter, hein. Ok, toi, Death Ghoul. Décède. Merci. Donc, Darkland. Ouais, mais l'eau n'est pas dégueulasse, là. L'eau, elle est pas sale dans le Swampland. Faut qu'on trouve un autre biome où l'eau est vraiment sale. Parce que là, du coup, bah, c'est pas sale. Ok. Décède, s'il te plaît. Ah, merci. Donc ça, ce sont des mobs de Abyssal Craft. Waiting for server. Je peux ouvrir mon bag. Ah, ça y est. Tu as le lapin pour refine, tu devrais en profiter si tu trouves un griffon. Ah ouais, je peux leur donner à manger avec du lapin? Du coup, je sais pas vraiment où choper mon eau dégueulasse, moi. Je sais pas s'il existe une dimension avec de l'eau verte. Ça me dit rien. Merci Nameless pour les 100 bits! Ah bah du coup, oui, je viens de lire ton message en plus, n'importe quoi. Hey. Bon, elles sont jolies les lilypads. Ah non, c'est des mobs. Ok. Tchè. Meurs. Meurs. Hey! Je pensais que t'étais mort, moi. Attends-toi, ok. Il a droppé de la redstone. Vache, c'est gentil. Regarde le ciel, ça bouge. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ah, les slimes, cassez-vous. Je t'ai vu, toi. Treasure slime avec une carotte. Bah du coup je sais pas vraiment quel biome on peut aller chercher maintenant. Hein. C'est plus les pattes de lapin que le lapin, d'accord. Abyssal Craft, l'eau est normale, il me semble. Je sais qu'il y a du liquide dégueulasse, mais c'est pas de l'eau. Justement. Alors on va ranger ça. Ranger ça, ça, ok. Bon, ils sont chiants les mobs, hein. Hop. Ouais, on va peut-être essayer de voir Bayou. Ça, c'est intéressant, ça. Ah non, c'est du ooze. C'est pas intéressant au final. C'est vrai qu'il faudrait que je trouve des structures aussi d'Abyssal Craft. Oh tiens, regardez, là-bas il y a un... Il y a un beast. Oh, je suis tombé dans un trou. Alors là, bravo monsieur. C'est un beast ça. Ah, j'ai peur qu'il despawn, mince. Je vais peut-être dégager le Wither Squelette que j'ai. Tant pis, j'irai en chercher un autre. Mais ça, je veux bien le récupérer pour le farmer après. Si le mob essence, on avait dit qu'on allait s'en servir, mais on essaie de trouver un autre liquide. En plus, lui, c'est... Oh, il m'a fait peur. Lui, c'est le Shadow Beast, ouais. Il m'intéresse, le Shadow Beast. Je garde le Shadow Beast. Va-t'en, toi, s'il te plaît. On ira chercher un autre Wither Squelette, hein. Ok. Oui... Pour ceux qui ne savent pas, alors ça c'est pas un Shadow Beast, mais ça drop des trucs comme ça. Et le Shadow Beast, normalement, il drop les Shadow Gems. Te calme, toi. Okay, on stocke ça là-dedans, on range encore nos saloperies. Très bien. Donc Bayou, on va chercher Bayou.
par là-bas. J'espère qu'on aura de l'eau dégueulasse. Salut Kaline. Ok, let's go. Je disais bien qu'il y avait un problème. Ce lag. L'ingération, ça pue, hein. Ah, j'espère que le bayou sera pas trop loin. Parce que j'en ai un peu marre de générer comme un sale, là. Oh là là. Dès que j'avance de 2 mètres, j'ai un rollback. Oh là là, les rollbacks, quoi. Drop of Evil. Je viens d'avoir un Drop of Evil, oui. Et c'est très bien parce que la ferme mob qu'on a actuellement, il faudra qu'on la déplace après. Donc bon. Wow! Je ne savais pas que ça existait, ça. Oh, regardez là-bas. Il y a peut-être de l'eau dégueulasse. Fais voir, fais voir, fais voir. Alors, dis-moi que ton eau est sale. Serveur, allô? Ah oui. Je suis au-dessus de mon Englider. Je suis dedans. Vas-y, tombe dans la boue, là. J'aime beaucoup ça. On est dans une mangrove et là, on est toujours dans la mangrove. Ok. Donc non, l'eau est un peu plus bleutée, mais pas forcément dégueulasse. Ah. Donc non, on va continuer à chercher Bayou et on verra. Il y a du mutagène sur ce modpack. Alors Nameless, je sais pas, mais alors le mutagène, il est vachement fluo. Hein. Je crois que c'est un Bayou, ça, non? On est dans un bayou. Alors, fais voir l'eau. Ouais, c'est pas si dégueulasse que ça, en vrai. Hein. C'est juste que l'eau n'est pas bleue. Mais ça fait pas forcément une couleur que j'aurais appréciée. Hmm. Sinon, on essaye de faire du nutrient distillation, qui ressemble plus à de l'eau bien dégueulasse des égouts, quoi. Ouais, je cherche une eau sale. Une eau sale qu'on pourrait trouver dans un biome en particulier. Les marais ne me proposaient pas ça. Le bayou me propose quelque chose dans le genre, mais c'est pas forcément si sale que ça, finalement. Donc, ouais. Je sais pas, pour moi, ça fait pas sale. Enfin, si, c'est sale, mais... pas sale comme moi je le vois. Oui, ce serait logique vu que les tortues ninjas sont des tortues mutantes. Mais on pourrait faire une zone où justement il y a juste une petite flaque avec une petite cascade de mutagène. Histoire de dire c'est ici que les tortues ont été transformées. Mais pas de là à mettre du mutagène partout. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Il y a des trucs bizarres là-bas, je vais regarder. C'est quoi ces trucs-là? Ice and Fire. Stick and Jungle Resin. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça fait quoi, ça? Cocon? Pour avoir quoi? Ah ouais, ça descend, en fait. Je crains le pire, mais... Il y a des bestiaux là-bas. Je connais pas du tout cette zone. Oh, salut! T'es pas beau, tu sais. T'es pas beau du tout. C'est une fourmilière XXL, exactement. Casse-toi. 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 C'est la violence, ça fait beaucoup de bruit. Ça met poison 3. Tout va bien.
Est-ce qu'il y a des spawners là-dedans? Wow! Est-ce que ça spawn comme ça? Il y a des spawners ou pas? J'ai pas l'impression. En vrai, il y a peut-être des trésors sympas dedans. Ah, mais du coup, les cocons, ça fait... Ok, ça fait spawner ces saloperies. Il y en a partout. Wow! Mais il y a vraiment des trucs bizarres là-dedans. Taillot, taillot. On vient plus là-dedans. Je me casse. Je peux trade avec les colonies. What? Elles sont plutôt agressives, les colonies, hein, donc... Oh là là, je suis tellement lourd, quoi. Regardez-moi le temps que je mets pour monter. Merci, Zarkis pour le bits, et merci encore une fois, Nameless, pour les 100 bits. Si tu joues avec, avec les blocs sous l'eau, ça devrait le faire, nope. Non, je pense pas. Putain, mais la vache, mais c'est long à monter, ça. Est-ce que c'est vraiment mon armure qui fait que je suis un gros sac comme ça? Déjà, vous cassez-vous. Est-ce qu'il y a des trucs sympas à faire avec ça? Ouais. Ouais. Vite fait. Ah ouais, l'armure fait que je suis un gros sac, hein. Ok. Bon. Bon, on va rentrer. Oh. Naga. C'est un naga, ça. Alors, je vais enlever ça, je vais voir si je peux faire clic droit sur lui. Non. Alors, naga, c'est des œufs que j'ai pu récupérer aussi, donc je peux peut-être me le faire, celui-là. Je peux pas le toucher. Ah oui, waiting for server. Ok, j'espère juste que... Attends, non. Qu'il est bugué. Ah non. Qu'il est pourri. Il est nul. Il est nul. Bon, de toute façon, on va se faire du nutrient distillation. Hein. Il y a un autre naga ici. Alors, on m'a dit avec une main vide... Voir. Bonjour. Donc une main vide, ça sert à rien. Donc, calme Naga. Oh là là. C'est une mauvaise idée. Hein. Ah non, j'ai eu des cookies. Oh bonjour. Cookie Monster. Ah salut toi. Bon, allez, taillot. Tu peux avoir des blocs transparents sympas avec les dans les souterrains avec les blocs de fourmis. C'est vrai, ça? Attends. Ah, le problème, c'est qu'ils sont super chiants. Attends, mais ils sont combien là-dedans? Surtout que eux, ils font mal en vrai. Hein. Ce qui est bien, c'est que eux, par contre, ils droppent du copper, du bronze et du fer. Ce qui est un peu pété, je trouve. Hein. Tournons vers la fourmilière. Par là-bas, la fourmilière, on est d'accord. Hein. Ouais, là-bas. Je peux avoir des blocs transparents, tu dis. Déjà, est-ce que ça fait quelque chose, ça? Non. Est-ce qu'on y retourne, quand même? Le bloc est un craft. Ok. Quel type de bloc du coup? Parce que j'en vois aucun transparent là-dedans. Hein. Ah, peut-être ça. Peut-être que ça c'est transparent. Ah, ça! Ah, c'est du vert! Ah, mais si c'est du vert, non. C'est mignon, mais non. Home. On est rentré. Alors,
Le nutrient distillation. On va essayer de s'en faire. Pour ça, il va nous falloir un vat. Avant de regarder les vats, on a rempli quelques quêtes. Où est-ce qu'on a rempli les quêtes? Je suppose que les quêtes qu'on a remplies, c'est dans Monster Hunter. Non, c'est dans Extra Something, ouais. Ça, tac, on récupère un bateau et un flower terrarium. Ok. Je sais que j'avais rempli autre chose la dernière fois que j'ai pas récupéré. C'était dans quoi? Là, c'est ici que ça m'intéresse. J'aimerais qu'on avance ici pour qu'on puisse accéder peut-être au VAT. Je sais pas s'il va me le proposer comme quête. S'il y avait ça aussi. Et c'est tout, ok. D'ailleurs, j'y pense. Ok, c'est encore des conneries, ça. J'ai pas regardé là-dedans. Wow. Wow, tous ces loot chests. On va les ouvrir. Très bien. Très bien. Donne-moi des trucs pour remplir mon inventaire, j'adore. Ok. Nice, nice. Ça, c'est cool, par contre, d'avoir des cœurs comme ça, gratos. Ça fait toujours plaisir. Ok. On les prend. Nice. Alors, tu me diras, c'est une bonne source de vie, hein. Ok, ok, ok. Plein de conneries encore une fois. Alors les trèfles à 4 feuilles, on les ouvrira plus tard si on y pense. Tout de suite maintenant, je veux juste ouvrir ça pour voir. Et du coup, biome, on va pas s'en occuper. Il y a une machine du coup avec Extra Utility qui te permet de changer le biome de là où tu es. Mais du coup, on va probablement pas s'en servir. Sauf si on veut essayer d'avoir... oh, ça c'est cool ça. Sauf si on veut essayer d'avoir... comment dire, un biome d'une certaine couleur quand on attaquera Botania, pour de bon. Ok, il nous reste des loot bags à ouvrir ici. Encore toutes ces fleurs, des conneries, et voilà. Ça en donne des saloperies par contre, hein. Nom de nom. Ok, dernière fournée. Très bien. Zéro. Ok. Donc ça, tu vas retourner là, ici, toi là, toi là. Ok. Ah, je sais pas de jusqu'à où je peux aller au niveau des cœurs, mais on peut aller assez loin. Je sais qu'il y a une limite. Je sais plus ce que c'était. The Vat. Alors The Vat, il va nous falloir l'industrial machine chase. Pour l'avoir, il nous faut d'abord une simple machine qui peut se faire assez facilement. Mais il nous faut l'industrial dye blend. Et il nous faut pas mal de dye là-dedans. Donc on va récupérer de quoi alimenter les machines avec ça. Et on va regarder Ender IO ici. Ender IO. Parce qu'il va nous falloir l'alloy smelter et le sag mill normalement. Est-ce que je l'ai fait le sag mill? Non, j'ai pas fait le sag mill. Ok. Donc sag mill. On va devoir se le faire en priorité. Ok, il nous faut du stone gear. Ok, 5000. Ouais, je l'avais pas fait le 5000, très bien. Tac, tac. Pour l'instant, hein, comme dit, on s'en fout de comment les machines sont posées, on s'en occupera plus tard. Ouverture de compact chains cube, s'il te plaît. Non. Ça, par contre, vous me verrez jamais les ouvrir. Ok. Donc, The Vat. Boum, boum. Il nous faut du quartz powder. Bon, quartz. Dans le sag mill. C'est le smelter ici. Sag mill, voilà. On peut aller plus vite avec ça. Je vais te donner un petit peu plus d'énergie du coup. Toi aussi, quand tu vas devoir bosser, bam bam, ok. On a du crush quartz. Il nous faut des organic green dye, donc pour ça, ce sera slime, colorant vert et pulverisé de coal, donc il nous faut du coal. Et trèfle à 4 feuilles, j'ai dit qu'on verrait plus tard.
J'ai cliqué là-dessus, c'était pas très malin. Ok. Ça, ça va être good. Très bien. Donc, die, green. Mis à part utiliser cela, je vois pas comment on peut avoir du colorant vert avec du cactus. Mais du cactus, j'en ai pas. Est-ce que je... Si, j'en ai du cactus. Qu'est-ce que je fais, moi? On peut en crafter en plus du cactus, bien sûr. On a du colorant vert. Ouais, la ferme à meubles, on regardera après. J'aimerais lancer la production de Nutrient Distillation pour qu'on puisse bah, commencer à travailler sur autre chose. Donc ça, on va dire que c'est bon. Ok. Maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir... Donc ça... Ah oui, c'est vrai, il nous faut, faut garder le colorant vert, pardon. Le coal et slime. Slime, green et coal. Donc lui, on va le diviser en deux parce que je vais en avoir besoin d'une autre partie ailleurs. On va te mettre ça là-dedans. Yes. Parfait. Alors, comment vous dire que la graine de dye me donne pas de vert? Pourquoi? Parce que le vert, tu peux l'avoir avec les cactus. Donc ça, c'est juste du crush lapis, c'est tout? Sans déconner? Ah ouais, c'est que du crush lapis, très bien. Très bien. Ça marche là-dedans? Oui. Nice! Normalement, nous pouvons nous faire ceci. Ah, il me manque quoi au milieu? J'ai même pas fait attention. Ah, l'organic black dye. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc, coal et slime. Très bien. Easy. Voilà, on a ce qu'il nous faut. Ça, ça peut dégager. Who needs squid? Nobody. Nobody needs squid. Bam. Voilà, on s'en fait un petit paquet. Il va nous falloir donc celui-ci. Donc il nous faut ces gears-là. On va s'en faire 5 des machines. Très bien. Parce que les laser guns de Tinker ne m'intéressent absolument pas. Voilà pourquoi je m'en sers pas. Ok. Donc on a eu nos industrial machine chassis. Donc on va pouvoir se faire le... Enfin, pas tout de suite le VAT parce qu'il va nous falloir ça. Il nous en faut 2. Et il nous faut là des electrical steel. Et pour avoir des electrical steel, il nous faudrait... on a l'alloy smelter parce qu'on peut le faire dans le basique, dans le simple. Mais autant se faire le vrai alloy smelter. Comme ça, on aura une bonne machine. Ok, donc si je fais ça, ok, j'ai du dark steel. Dark steel d'ailleurs, est-ce que j'en ai beaucoup? Non, j'ai pas beaucoup de dark steel, mais ça fera le taf pour l'instant. Il faudra que j'en récupère. Ah, quoique, je sais qu'il y a une graine de dark steel, mais il me faut du coup 4 dark steel. Donc faut que j'en refasse. On va faire ça rapidement. Obsidienne, coal, iron. Et iron. C'est long. Oui, les electrical steel, quand je vais les faire, je vais faire la graine. D'ailleurs, là, je vais faire la graine également de dark steel. Hein. Dark steel. Oh, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là d'ailleurs? Ah, dark boots. Ok. Tu me diras, cette armure-là est pas mal aussi. Hein. Je crois même qu'elle est mieux que celle, que celle de Tinker. Hein. Quand tu regardes le craft... elle est pétée, cette armure aussi. Seeds? Ah. Ok. Hop. Donc, Dark Steel Seeds. On va faire de l'electrical steel maintenant. Silicone, coal, iron.
Et cool. Donc d'abord ça là-dedans. Parfait. Et ensuite là-dedans. Dark Armored, c'est le glider wing qu'on peut avoir avec. Tu peux pas voler malheureusement avec le Dark Armor. Ok, mais de toute façon, il me semble qu'avec le Dark Armor, je vais voir. Ouais, il te faut le Dark Armor de toute façon pour accéder au Ender Helmet, enfin Ender Armor, pour accéder au Wyvern, pour accéder du coup au Draconium. Donc on a quand même quelques crafts un petit peu hardcore là-dedans dans l'histoire. Donc on va se faire plaisir quand on y sera. Seeds, please. Là. Ok. Bim. Ok, on récupère ça. On va tout de suite les planter. Si on peut, on va regarder. Dans la Time in the Bottle, il y en a beaucoup parce que je joue depuis quasiment le début. Enfin, depuis qu'on a Refine, je l'ai. Cette bouteille, donc ça traîne dans mon inventaire à chaque fois. Il reste 16 heures, donc en vrai, on est vraiment bien. Donc on avait fait un étage au-dessus, et c'est vrai que la dernière fois, j'avais tout collé au mur, et c'était pas bon. Et il fallait que je déplace la flotte, chose que j'ai pas fait. Donc on va le faire maintenant. Sinon ça va nous agacer. Alors, Nameless, je vais pas non plus faire toutes les graines tout de suite maintenant. Je fais les graines dont j'ai besoin actuellement. Parce que dans ce cas-là, je vais trahir toutes les graines et basta, on fait que ça, quoi. Putain, ça lag dans la zone pour poser des blocs. Ok, allô ma télécommande. Je la vois pas, hein. Elle a vraiment une texture bizarre. Ok. Ça, on va le remettre là. Ça, c'est pareil. On va le remettre là. Tac. On déplacera le reste après. Et du coup, lui, on va le mettre là. Ok, super. Alors, je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça. Elle ressemble à Toki Walki, ouais. Hop, on reprend l'aquamarine, on reprend ça, tac, tac. Ok, donc là, maintenant, on va pouvoir être bien placé, et on y va. Donc, il va falloir que je refasse aussi de ces câbles-là. Mais j'ai pas de Fuse Quartz, il faut que je refasse du Fuse Quartz. Fuse Quartz, c'était... Ok, du quartz là-dedans. Je vais en faire rapidement, parce qu'il m'en faut, du coup. Ok. Quartz. Quartz. Là-dedans. Tu vas aller plus vite. Yes, bonsoir à ceux qui arrivent. Bim et Sbim. Ok, là on a de quoi alimenter nos machines en flotte. Donc je dis oui. Et c'est tout ce que je vais faire. Ça me fait déjà pas mal de câbles en vrai. D'ailleurs, conduit, il m'en reste là-dedans. Non. Ok. On y retourne. Ah, à bord. D'abord. Est-ce qu'il me reste du Garden Cloche? Non. Que je peux m'en refaire? Non, évidemment. Ah si. 9. Bien joué. Je sais pas. Faut que je regarde s'il me reste des accumulateurs d'eau dans la plaine. Putain, dans Refine. Ça s'appelle comment déjà? Akeus. Si. J'ai dû en récupérer. Ok. Donc on va planter les 9 là.
très bien. On va mettre ça devant. On va chercher de la dirt. Tac, tac. Tac, tac. Et enfin, tac, tac. Nice. Et plus qu'à leur donner ça. Il faut des blocs pour monter. Zut. Il me reste. Nope, il me reste plus de coils. Est-ce qu'on peut s'en refaire des coils? Parce que j'en ai d'ailleurs là-dedans. Non. Oh, les crafts ont été changés. Ok, le monsieur a dû voir que je craftais ça en mode bourrin et du coup il a changé les crafts. En soi ça va pas nous arrêter hein. Mais quand même, faut faire ces foutus câbles à deux balles. Je vais en garder un juste pour pouvoir aller dupliquer après. Ouais, ça devrait être bon. Donc là, si je fais ça et que je fais ça. Non. Tac. Tac. C'est embêtant quand même, hein. Ok. Il va falloir qu'on se fasse d'autres graines, du coup, hein. Ça, on va le mettre là. No! On n'avait pas laissé là-dedans? Non. Par contre, on a d'autres graines là-dedans qu'on pourrait balancer. Ah, on les balancera après ces graines-là. On verra après. Du coup, il vous faut de l'eau pour travailler. Très bien. Pour aligner de la playlist, il faut faire point d'interrogation musique avec un C. Écrire à l'anglaise. Très bien, donc toi. Toi pareil. Ok. On va rester ici. Bim, bim, bim. Ok, on va mettre l'Ender Chest. Insertion. Donc là, on va attendre les items qu'il va falloir qu'on trie. Non, c'est... J'ai dit point d'interrogation. Je me suis trompé, c'est point d'exclamation du coup. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit interrogation ou exclamation? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Et l'autre graine? Ouais, de toute façon, l'autre graine est déjà en train d'être récoltée. Ouais, c'était ça. Ok, il faut juste que je fasse de la place là-dedans pour cela maintenant. Ok, rentrons. Ah oui, ça sert à rien de spammer une fois que le... La commande, il y a un... Comment? T'as dit interrogation? Ok. Alors, je m'excuse, c'est pas interrogation, c'est exclamation. Je me suis trompé. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un cooldown sur la commande, donc vous n'allez pas pouvoir la spammer. Drawer. Bon, de toute façon, il va me les mettre automatiquement. Et j'ai pas pris ma clé sur moi. Alors, on va bloquer ça. On va lui mettre Dark Steel et Electrical Steel. Voilà. Donc on range ça. Il faut qu'on se fasse du coup. Parce que là, il faut qu'on puisse aller jusque là. Pour l'instant, on va pas vraiment avoir besoin de trop de machines pour le moment. Mais avoir des Spectre Coils qui puissent envoyer 4000 RF, ce serait bien. Donc il faudrait au moins qu'on ait de l'énergétique à l'œil.
On n'en a pas, donc il faudrait qu'on essaye d'en faire. Donc en premier lieu, le conductive iron, j'en ai vraiment pas de ça. J'ai pas de conductive iron. J'ai le souvenir... Ah non, c'est du pulsating iron que j'ai fait. My bad. Donc redstone et iron. On va faire ça. Ok, pour faire de l'énergétique alloy, ça va être redstone, gold, glowstone. Redstone. Sur les flester. Alors, clac, clac, clac. Tu comptes te taper des géants dans la Twilight? Pour l'instant, c'est pas prévu au programme, mais on pourrait regarder à l'occasion. Le conductive a été utilisé dans les caves d'énergie, c'est pour ça, du coup. De toute façon, là, on va se faire les graines. Hein. Histoire d'être peinard. Est-ce qu'il y a des graines de ça? Oui. Du coup, pour accéder au double layer, ouais, il faudra qu'on ait du pulvérisé de colle assez facilement. Hein. Donc, pulvériseur ou sag mill automatisé. Faudrait qu'on ait ça. Un ou deux ans, la vache, ça date, oui. Effectivement. Allez, là. Ah, merci. Clic. Voilà, et du coup celle-ci. Ok. Eh bien, let's go, on va les planter, puis on va pouvoir les récolter, celle-ci. Tu vas ressembler à un Ikikomori. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu pourrais m'éclairer. Alors c'est vrai qu'avoir un modpack sans les graines, ce serait plus difficile. Je t'invite du coup à regarder ma série sur Greg Block. Qui lui par contre, c'est zéro graine et c'est que à partir de minerais que je dois transformer avec du gaz, du fluide, des trucs à droite, à gauche, des trucs de malade quoi. C'est un otaku, d'accord, un cloîtré. Bah après je pourrais farmer des items, des minerais sans sortir de chez moi avec d'autres choses que les graines. Hein. Tu me diras, j'ai pas vraiment besoin de m'embêter à les récupérer puisque ça va rentrer directement dans les drawers que je veux. Tac. Drawer. Ok. Eh bien, ma foi, ça va aller là. Hein. Ma clé. Ah. Ok, c'est bon. Les deux sont arrivés. Tac, tac. Ah, ok, nice. Alors, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. The Vat. Nice. Du coup... Akeus. Ok. J'ai plus du tout de coil. J'ai celui-là encore comme coil. Donc on va poser ça en plein milieu de la base parce qu'on... Oh, tu me diras, j'en ai utilisé beaucoup ici en fait. Hein. Ouais, j'ai fait le bourrin là. J'ai fait le bourrin ici. Ok, range ça là. Donc on va installer ça ici. Il va récupérer automatiquement de l'eau. Doucement mais sûrement, bien sûr. Hein. Et lui, on va lui dire de récupérer cette flotte. Donc il récupère bien la flotte. Au niveau des... capacitors, j'ai récupéré
un octalique, donc on va utiliser l'octalique. Voilà. Et du coup, il va falloir que je lui donne des choses en input pour avoir justement notre nutrient distillation. On va stocker ça là-dedans en attendant. On va lui dire. Non. Output. Très bien. Tu récupères l'énergie. Ce sera suffisant, il n'a pas besoin de plus en vrai. Ok, range-moi tout ça. Ok. Donc nutrient distillation. Nutrient distillation. Là, c'est un très beau verre. Un verre qu'on aime bien. Donc on avait une tête de mob et quoi d'autre? Je crois que c'était sucre. Non. Œil d'araignée fermenté. Ok. Merci Azerty pour les 10 bits. Je vais faire mon fermier sur Regrowth. Bah écoute, bon courage. Regrowth, il est vraiment très très cool au début. Vraiment. Dans PO3, les Garden Cloches ne sont pas accessibles de suite. Alors après, dans PO3, je me suis pas servi des Garden Cloches. Hein. Œil d'araignée, c'est ça. Alors du coup, les œils d'araignée fermentés, on va les autocrafter. Hein. Spider. Tac, tac, tac. Ça, il me semble que tu peux le crafter, oui. Ok, très bien. Le sucre, tu peux le crafter à partir du sugarcane, que tu peux crafter à partir de ça. Et enfin, les yeux d'araignée fermentés, je vais les récupérer directement de la ferme à mob. Je dois en avoir quelques-uns. J'en ai 10 000, donc ça devrait aller, je pense. Je vais mettre tout ça dans le désordre là-dedans. Mais plus tard... Alors, j'ai regardé pour me faire la grosse structure, pour mettre plein de craft dedans, enfin, plein d'autocraft dedans. On l'a pas, c'est Reborn, Refine ou Reborn, je sais plus trop quoi. On l'a pas sur le modpack. Donc on va utiliser que des crafters de Refine Storage. Donc ça c'est fait. Et du coup, Head. On va prendre un stack de ça. Donc Spider. On va lui en demander. Ah, c'est vrai que je savais pas comment faire. Bon, c'est pas grave. Ah merde, je sais plus comment on faisait. Pour lui demander les autocrafts sans être obligé de... Ah là 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 là, je ne sais pas. J'en sais rien. C'est chiant. Hein. Eh bien, une touche. Oh, tant pis, on va pas se prendre la tête. Ctrl-Shift. Ah, c'est vrai, c'est Ctrl-Shift. Ça va jamais rentrer, hein. Ce Ctrl-Shift, il va jamais rentrer. Hein. Alors, tac, tac. Donc, normalement, je crois pas que ça me fasse un bucket un coup. Salut, c'est Cura Spark. Si, on a un bucket complet. Ok, donc là, on va voir la couleur que ça a. Voilà. Là, on est quand même plus sur une couleur égout. Hein. Est-ce que ça a un effet négatif sur moi ou pas, cette substance? Ça n'a pas l'air. Non, pas des modes contrôle shift. On va pas faire tous les raccourcis clavier. Hop. On va les mettre côte à côte, les liquides, pour qu'on puisse regarder. Donc, on a le Nutrient Distillation. Et on a celui-ci. Ok, celui-ci prend le dessus sur lui, par contre. Alors, ce qui avait de cool avec ce liquide, là, le... Bah, lui, là, le mob essence, c'est qu'il émettait de la lumière. Je nage dans les égouts. Bah oui, je suis une tortue. Donc voilà, je pense qu'on va partir sur ce verre-là. Hein. Après, on aura évidemment tous les blocs derrière... qui vont nous permettre de cacher tout ça. Alors ça va prendre un peu de temps pour farmer tout le liquide nécessaire, mais... On va le laisser tourner, lui, tranquillement. On n'a qu'un seul bucket là-dedans. Alors ça va être compliqué de tout avoir, hein, mais... quand on sera bien posé, on pourra automatiser. Bien que là, ce soit automatisé, c'est pas full automatisé. On automatisera vraiment à fond, et on se mettra bien. Ok, range-moi tout ça. J'ai plein de saloperies sur moi que je veux pas garder. Ça non plus, je veux pas garder. Nutrient Distillation, du coup, j'ai pas envie de le garder non plus. Hein. Tu me diras, je peux le laisser là. Du coup, c'est lui qu'il faut que je vide. Voilà, vide-moi ça.
est bientôt full ce drum. Ok. Oui, on va forcément utiliser le painter pour avoir de la lumière. Non, je vais pas mettre le Nutrient Distillation en dessous, puis... Enfin... Je vais pas mélanger deux liquides. Ce serait pas logique. Hop, tu ranges ça. Ok, donc ce qu'on va faire... Hop. Petite ferme à mob dans le Nether. Juste un stack. Donc il va nous refalloir industriel. Denknul, je pense pas l'avoir. Hein. Mob crusher. Mob crusher. Mob grinder. Mob grinder. Non, mob crusher. Mais j'ai écrit mod, vraiment. Ew. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il manque? Ah oui, je l'ai pas fait celui-là. Ouais, mob crusher, il va nous falloir un range. Range add-on. Je pense que le tier 4 était suffisant, je ne sais plus. Regardez celui-là. Avec le painter, tu peux faire dalle et escalier ou pas du tout? Si, tu peux faire ça, ouais. Salut, Night Taroun. Ou Taron. Salut à toi. Ok, donc là, on est bon. On va prendre du Dark Glass. Est-ce qu'on a? Mais oui, on a du Dark Glass. Des blocs solides. Des blocs solides. Tu me diras, on va chunkloader la zone, donc ça posera pas trop de problèmes. Mais il faudrait des blocs pour camoufler ce truc-là. Nous allons prendre... la stone. Stone brick. On va pas se prendre la tête. Stone brick sera largement suffisant. Ok. Allons dans le Nether. Le bruit du ça se dit Aaron. Ok. Donc Night Aaron. Ok, ça marche. Tellement de chauves-souris là-dedans aussi. Du coup, je pense que la ferme à meuf, on va directement la faire en sortie de cette zone-là. Vas-y, fais un petit clic ici, comme ça on range tout un peu là-dedans, là. Ça veut dire que, hop, en sortie de ça, on devrait avoir la ferme à mob juste devant nous. Donc on va péter un peu tout ça. On va se faire de l'espace. Ok. Trop d'items. Ah, j'ai gardé un... On va ranger ça, je vais garder les torches quand même. Les chauves-souris sont vraiment débiles, hein. C'est incroyable, ça. Tu as fini de... Voilà, meurs. Fais-moi chier. Voilà, merci. Dirt, du coup. On va partir sur du... Alors, ça va être du 4x4. Non, ça va être du 8x8. Donc, ce sera un... Ce sera... Pair, mais c'est pas très grave. De toute façon, le portail est pair, donc c'est très bien. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ok, il va falloir que je creuse un de plus sur le côté, là. Nice. Boum, boum. Boum. Oui, oui, je vais utiliser un Ender Chest pour récupérer les loot. Bien entendu. Alors, on pète ça, on repète ça, histoire d'avoir de la place. Fuck you, man. Merci. Qu'est-ce que vous avec vos TNT, là? Oh.
Pareil, je vais mettre de la stone brick vraiment au sol ici. Pour que ça fasse un petit peu plus propre. Ok, ça aussi. Ah, salut! Tu vas bien? Merci de me foutre la paix. Donc ça, il faut que je l'enlève. Hein. C'est chiant, mais il faut que je l'enlève. Cette chauve-souris qui rentre là-dedans, quoi. Débile. Toi, c'est moi, ça veut dire quoi ce que t'es en train de dire, là? Putain de chauve-souris de merde. Qui me passe devant pendant que je pète ce truc-là, quoi. Sans déconner. Et j'ai pas de cheers, tant pis. On va l'en chercher parce que ça me fait chier de creuser, là. Cheers. Ok. Salut Alexandre. Ça va, c'est tout aussi lent en fait, hein. C'est long. Non, viens pas m'embêter toi en bas. Non, viens pas m'embêter toi en bas. Ah, c'est bon. Ok. On met les murs. Comme ça, on n'est plus embêté, hein. Allez, pause. Tu veux me dropper un truc, toi, Don? Ça, je veux bien le prendre. J'ai rangé un truc que j'avais sur moi, je voulais pas le ranger. Je sais pas ce que c'est. Tant pis pour moi. Oh, les creepers avec la TNT, ils sont plutôt chiants, ouais. Garde-le. J'ai entendu encore un creeper tomber. Il est où? Il est là, ce con. Fous-moi la pète. Incroyable ça. Incroyable ça. On a une tempête de feu. Ça. Ok. Je sais pas du tout quelle hauteur on va avoir besoin, donc je vais leur donner une sacrée hauteur, je pense. Voyons. De la lave. On va reboucher, voilà. Oh là là! Faut pas rester très longtemps dans le nether parce que ça devient vite chiant. Ok, donc clac, clac, 4. Ok. On va être pas mal avec 4. Ok, ok. Boum. Très bien. Je suis pas du genre à essayer de faire autre chose que de construire ce que je dois construire. Hein. Là où je mettrai des torches pour empêcher le spawn. Tu me diras avec ce que je vais mettre, j'ai pas vraiment besoin de m'embêter. Hein. D'ailleurs ici, est-ce qu'on peut... Junk load. Bon, on aurait peut-être dû se mettre dans un chunk, mais tant pis. On est sur 4 chunks. Nice, on y arrive. Voilà. Ok. Très bien. On va remettre un toit par-dessus ici.
Comme ça, on va enlever la cobble qu'on a là-dessus. Hein. Et on a notre portail un petit peu plus sympathique. Ok. Ça me paraît pas mal. Ah, saloperie. Tire pas de toi le dernier, toi. Your cruel device. Ça fait un petit moment que je l'ai récupéré, ce truc-là, mais c'est pas grave. Ok. Et donc là, on va mettre Stone Brick. Ok. De ce côté-là, il faut juste qu'on recamoufle tout ça proprement. Et on sera peinard. Un élévateur pour sortir, on verra ce que je mettrai pour sortir. Pour l'instant, je m'en soucie pas. On va essayer de faire en sorte que les choses soient propres, au moins. Et voilà. Bon, là on est couvert. Ok, ce sera déjà pas mal. Donc là, ce sera la ferme à mobs. Pas bien grand, mais suffisant, je pense. Pas besoin que ce soit trop grand non plus. On va avoir alors le device pour tuer les mobs. Ouais, étant donné que c'est pair, il faut quand même que je fasse un pair. Il faut quand même que je fasse un pair. Juste pour la faire pour la machine. J'enlève le F7 parce que c'est un peu chiant. Donc je vais reprendre de la dirt. Ok. Et on va ragrandir d'un côté. Voir ce que ça donne. Les particules rouges, je sais pas de quel mode ça vient, mais je vous avouerai que c'est un peu chiant. Parce qu'au niveau de la qualité vidéo, c'est pas terrible. Hein. On va se faire un couloir, là. Ok. Juste histoire d'accéder à ce qu'il nous faut. Ok, on va remettre le sol ici à plat. Très bien. De toute façon, on a dit qu'il faut... Wow, bonjour. C'est un malade, c'est vraiment un malade. Explosive Hammer. C'est quoi, c'est les creepers? Non. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Ah. Ok. Pourquoi pas, après tout. C'est vrai qu'on peut avoir un hammer qui explose, je savais même pas, tu vois. Clac! Slime in a bucket, ça sera rangé, ça. Donc, ça d'ailleurs, c'était pas cassé, ça. On va casser de ce côté. Juste pour apporter un cran de plus de ce côté-là et un cran de plus de ce côté-là. Salut, toi. Tu arrives de ton côté, s'il te plaît. Dégage. Oh, il y en a un qui est résistant, là. Le petit jaune, là. Qu'est-ce que t'as à me dropper, toi, le petit jaune? Rien du tout, parce que tout crame dans la lave. C'est ça qui est intelligent. J'aime beaucoup le mode qui fait ça. Parce que ça sert à rien. Relou, ce creeper. Bon, tu te calmes. Ah, les particules, c'est quand il pleut dehors. Ah. Hop.
Ok. Là, on devrait avoir l'espace qu'il nous faut pour travailler. Donc, si je mets ça en plein milieu, c'est-à-dire là, show area, parfait. Il prend toute la zone, il prend même un peu plus, mais c'est pas très grave. Ah, il prend un de plus ici. Donc, lui, on pourrait carrément le reculer d'un cran, en fait. Le mettre là, tac, et là, t'es sûr qu'il prend toute la zone, même la zone où il y a de la stone brick. Parce que du coup, la stone brick va être là. J'entends un Wither. Salut toi. T'es mort. Oui, il kill à travers les blocs, oui, complètement. Tu vois, toute la zone où il kill, il pourrait y avoir que cette zone de spawnable et tout le reste ce soit des murs, bah tout ce qui spawnera ici, ça meurt. Ça kill à travers les blocs. C'est ça qui est vachement bien avec cette machine. Ok. Très bien, j'ai besoin de ça. On va enlever ça, on va enlever ça. Et on est paré pour tout fermer. Voilà, tout est fermé, on est clean. J'avais dit qu'on allait laisser un petit passage sur le côté. Ce passage-là me semble plutôt correct. Un petit peu plus de place pour que ce soit plus sympa. Voilà, on va pas s'embêter non plus à mettre... à changer les blocs, etc. Mais bon, c'est suffisant. Tac, 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 tac. Alors, Dark Glass. Juste cette zone-là, ça devrait être bien pour pouvoir voir comment vont les mobs. Donc là, si je fais ça... Voilà, on a du pigmen qui spawn. On a des Wither squelettes qui spawnent du coup. Très bien. Alors les pigs sont en train de prendre des dégâts, je ne sais pas pour quelle raison. C'est peut-être la tempête qui fait rage. Ah non, c'est lui qui donne des dégâts. Pourquoi il donne des... Pas trop réfléchir. Hein. Donc voilà, on a déjà récupéré d'autres trucs. Donc tout ça, faut que je les récupère dans un Ender Chest. Hein. Je vais le couper en attendant. On va aller récupérer le nécessaire. Ah oh, ouais, non, mais les slimes, ça va être une calamité, ça. Bon, tu me diras, les drops, on est censé les récupérer. Donc qu'il y ait de la lave ou pas, c'est pas très grave. Tu peux pas mettre des dalles dans le passage que tu as laissé pour pas avoir des mobs dedans? Si, je pourrais, ouais. C'est full, ça? Ah, presque. Presque full. D'ailleurs, je pense qu'on va partir sur du drum. On va repartir sur un gros drum pour récupérer le mob essence de l'autre côté, plus faire un gros drum pour récupérer le nutrient distillation, le temps 2. Donc on repart là-dessus. Il nous en faut 2 de ça. Bien évidemment, des chaudrons, j'en avais qu'un seul. Donc là, on va partir sur 4 pressure plates. Clac, et clac, et enfin ça. Il nous faut juste ça. Et on est bon. Ok, j'en ai 2, parfait. Donc toi, tu vas extraire. Push. Donc ça va se remplir de nutrients distillation. Ça, c'est bien. Ça, on va récupérer le nécessaire, et du coup, Ender Chest. Ender chest qu'on n'a pas, donc il faut qu'on craft. Ender chest. Il en faut 2 et on va utiliser du orange pour représenter le nether. Ok. Ça, je peux le ranger. Ok, ça devrait être pas mal.
C'est peut-être la pluie du berger, les particules rouges. La pluie du Nether. peut-être, je ne sais pas, c'est possible. Ok, et du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre un mode d'extraction ici. Très bien. Et tous les loots que je vais récupérer va rentrer dans ce système, en fin de compte. Et il va falloir que je rajoute d'autres drawers par la suite. Ok. Donc on va en rajouter de ce côté-là, je pense. Ouais, on va rajouter là-haut, de ce côté-là. Et on verra exactement combien on va en choper. D'ailleurs, j'ai combien de... Oh, j'ai plus rien là-dedans. Hein. Est-ce que j'en ai récupéré? Un seul. Ok. Et puis, tous les drops qu'il va falloir qu'on trie, ça va être là-dedans. Et les tanks pour stocker l'XP des deux fermes dans ta base. C'est vrai que je pourrais utiliser des tanks plutôt que... Ah oui, ok, c'est ces mobs-là. Plutôt qu'utiliser directement des drums. On pourrait utiliser des tanks. On s'en servira des tanks plus tard. Pour l'instant, je m'occupe des drums et j'ai pas mes fluides. Étant donné que je ne sais pas exactement comment je vais les stocker, ces fluides, et comment m'en servir par la suite. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et quand on aura une plus belle base, on s'en occupera plus proprement. Conduit. Alors du coup, vu que j'ai chopé les speed upgrades, bon, on va s'en servir. Ok. Ah oui, mais on va faire moite-moite. Normalement, lui devrait tenir le coup avec moite-moite. Hein. Ici, on va extraire en moite-moite aussi. Et de l'autre côté, ça va être bien. Ok, let's go. Très bien, donc là. J'ai entendu un bruit bizarre. Ah, il y a des abeilles aussi dedans. Hein. Ok, donc extraction. Insertion. Extraction. Insertion. Donc là, il récupère les items. Et si je fais extraction speed, qu'elle les récupère rapidement, il va pouvoir les stocker. Parce qu'il y a des items que je vais récupérer dans cette ferme à mobs, que je vais récupérer également dans l'autre. Comme ça, ça va pouvoir se trier plus facilement. Et donc là, je laisse tourner. Je sais, Nameless. Sauf que, comme je l'ai déjà expliqué, déjà dit quand on en a parlé, c'est que vu que je me suis jamais servi de Refine, j'ai pas encore tout regardé. Des feux d'artifice. Pourquoi j'en sais rien, mais il y a des feux d'artifice. Ok, alors dis-moi qu'est-ce que je peux trier pour toi. Ça, il faut le trier. Ça, il faut le trier. Ça, il faut le trier. Ça aussi. Ça aussi. Qu'est-ce que tu veux, le pigment? T'es fou, toi. Tac. Ça, il faut le trier. Et ça, il faut le trier. Est-ce que j'en aurais vraiment besoin de ce truc-là? Non, ça, je vais le jeter, du coup. Hop. De la lave. Oh, ouais, si je peux le garder, ça. Et du coup, le poison gland. Planticide. Oh, c'est pratique, ça. Je vais quand même le garder. On va le trier. Très bien, c'est parti. Drawer. Donc il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, il va me falloir un peu plus. Est-ce que je peux? Nope. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Parfait. Alors on va péter ça là-haut. Ah, il faut que je mette vite fait les items là-dedans. Ah bah non, vu que c'est le lock, c'est bon. Tac, 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 tac. Ah bah c'est bon. Wow, referme-le lui. Très bien. Donc Wither Bone, Drop of Evil, Blaze, enfin Blaze Rod, Wither Bone, Poison Gland, Fire Shard et Wither Ash. Pour l'instant, c'est ce qu'on a.
Et je vais les mettre, alors pas à fond, juste un de chaque pour le moment, c'est largement suffisant. Pas se prendre la tête à mettre trop. Peut-être, ouais, LBB. Peut-être, ouais. Alors, du coup, je reprends ça. Je fais plusieurs clics là-dedans. Ça, faut que je le trie pour le jeter. Flame String. Flame String, j'en ai pas forcément besoin. Ça va partir à la poubelle, ça. Ok, il faut qu'on jette ces deux items-là, là. Très bien. Hammer. On va retirer ça. On va reprendre ça. Et on va te donner... Ah, il faut que je te prenne un autre... Il est où? Pas lui. Pas lui, du coup, lui. Et du coup, lui, c'est le plus petit qui est là. Tac. Ok. Tiens, on est bien. Il va jeter les sticks, mais en soi, c'est très bien aussi. Ce pigman, il va finir par mourir. Hein. Allez, je récupère des épées en or maintenant. Oh. Try again. Try again. Alors, normalement, dans l'autre filtre, celui-ci, je devrais avoir encore de la place. Oui, une épée en or là-dedans, ça ira très bien. Lui, je peux le ranger. Donc lui, il se termine par Golden Sword and... Drill Doll, Girl Doll, pardon, putain, j'arrive pas à lire. Ok, clac. Donc là, on est bon pour l'instant. Tu ranges ça, tu ranges ça, et on va ouvrir ça. Oh là là, trop bien. Ok, super. Ah, magma cream aussi, j'ai pas trié. Forcément, on va en récupérer de ça. Hop, drawer. Lui, je pense que je vais pas me prendre la tête. Ah, si, je vais quand même lui en donner un de ça, puis ça ira bien. Ok. Tac. Magma cream, ça et ça. Ah, ok. Des cœurs, de grimoire. Ok, je les ai récupérés, ça m'a rien fait du tout. Par contre, ça va être embêtant parce que ça prend de la place. Et pareil, je récupère des du vice cristal spécial. Probablement, mais ça, je m'en moque évidemment. Bon, je vais le laisser tourner, je vais pas trier non plus tout le truc. Alors lui, par contre, il me saoule depuis tout à l'heure, hein. Voilà. Bon, fais voir Bone. On n'a que 3, on va pas pouvoir se faire des cœurs en plus tout de suite. Mais je pense qu'avant la fin du live, on pourra se faire les fameux cœurs qui nous manquent. Ouais, donc on récupère du vice ici, hein. Ça va être probablement les classiques. Ça m'a peut-être heal, ouais. Mais vu que je suis déjà, j'étais déjà full, bon, ça m'a servi à rien. 20 buckets. Ouais, ça a utilisé 20 items de chaque. Donc c'est passif, hein. Ça fonctionne, mais ça prend du temps. Alors, ce qu'on va faire, Necrotic Bone. Je les ai pas ceux-là, j'ai même pas fait gaffe. Non, j'en ai qu'un pour l'instant, donc on peut pas faire cette quête-là. On va essayer d'avancer sur certaines quêtes. Les expanders. Qu'est-ce qui nous manquait pour les expanders? Je crois que c'était des pistons, hein, non? Des pistons qui étaient chiants à faire. Ah non, c'était le slime ball violet. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est bon. Ok, très bien. Je crois que c'est que un de chaque, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a les wisps dans le nether. Bien vu, dédicace. Bien vu.
Je ferai probablement un filtre pour récupérer les vis ailleurs. Claim. Trop bien. Donc ça, il va falloir attendre. On a bientôt terminé cette partie-là. On va... J'ai envie qu'on commence à faire un peu de déco ici. Alors déjà le mur, il va falloir qu'on... comment on va pouvoir le gérer ce truc-là? Je vais utiliser ça. Mike. J'essaie de lui apporter ceci. Les expanders, je sais pas. S'il y en a dans le chat qui savent répondre, parce que je vous avouerai que je m'en suis jamais servi, du coup j'ai pas regardé. Comme ça peut-être c'est mieux. Oh, tu me diras, ouais, on va prendre la taille du trou que j'ai fait quoi. Comme ça. Voilà. De là, ici. Est-ce qu'on partirait pas sur de la brique plus foncée? Il y a la Nether Brick. C'est celle que j'utilise actuellement, mais en chiselé. On peut voir d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres chiselés. Augmenter en four rouge, il me faut des têtes de Wither. J'ai pas regardé exactement ce qui me manquait. Ouais, mais celui-là, il est pas... Il est trop rouge, lui, hein. Ouais, il est trop rouge, lui. Beaucoup trop rouge. Non, la couleur de brique qu'on a ici est très bien. Il faut juste en trouver d'autres. Qui puissent coller. Pour faire sortir ce fameux liquide. Ou alors, on fait du noir, en fin de compte. Le liquide, on le sort de là. Il faudra un contour métallique. Augmenter la taille de minage. Ah, ok. D'accord. Le ciré de brique. Oui, mais t'as rien en fait dedans. T'as quasiment rien comme bloc. Qu'est-ce qui pourrait être chouette? Par là-bas, il n'y a rien. Oh. Erebus. Factory block pourra faire l'affaire. D'ailleurs, on va les faire tout de suite, les factory blocks. Bah, je peux les faire là, normalement. Factory block. Ok, pour le contour métallique, on va partir. Il y en a plus, hein? Là-dessus? Non, pas là-dessus. Ouais, pas là-dessus. On va voir quand même. Non, cette partie-là, j'aime pas. Ah, ça. Très bien, ça. Est-ce que ça le ferait comme ça? Ouais, 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 ouais. T'as pas le Blue de Nether Brick? Si, je pense que je dois l'avoir, mais je veux pas du rouge en fait. Et là-haut, du coup. Peut-être directement prendre ces blocs-là aussi. Ouais, on va prendre ces blocs-là aussi. En plus, c'est rouillé ouais, sur les bords. C'est sympa, je trouve. Tac, tac. Et enfin, là. Ok. C'est un peu grand, non? Je vais regarder la photo que qu'on m'avait donnée. Que je regarde comment c'était sur la photo.
Faudrait que juste que je descende ça d'un cran. Le problème, c'est que si je descends d'un cran ici, ça va faire 2 et 3. Et ça va être moche. Le thème, c'est les égouts de Tortue Ninja. Alors, si on va essayer d'y arriver, hein, je sais pas, hein, j'en sais rien, on verra. Si je le réduis, ça ferait trop petit après. Ouh, alors là, oh, c'est compliqué. De toute façon, une fois qu'on aura le pattern ici, c'est... ça va être bien. Pour l'instant, le pattern, je l'aurai pas. C'est pas symétrique. Si, c'est symétrique. Mais si je le réduis d'un, non, ce sera plus symétrique, oui. Parce que si je le réduis d'un ici... il faudrait que je casse... Oh, alors peut-être ça comme ça. Non, ici c'était bien un bloc là. Mais casse-toi, toi, oh. Ça n'est pas du tout cercle. Le problème c'est que ça va faire un truc, ça va faire un losange là. Parce qu'en théorie, il faudrait que je fasse. Que j'enlève ça en fait. Et que je fasse un truc dans le genre si je veux que ce soit vraiment parfait. Le problème c'est que ça fait losange. Et c'est pas centré. Le truc qui m'agace aussi c'est qu'ici il y a 4 de hauteur. Le problème, c'est que si je fais 5 de hauteur, on arrive à la même hauteur qu'ici. Et j'avais envie d'avoir des chemins un peu plus petits. Est-ce qu'il faudrait que je mette 5 sur les côtés ou est-ce que je garde 4? 3, après, je trouve ça trop petit. Quoique, est-ce que 3, ce serait vraiment trop petit? Non, une texture connectée pour que ça passe mieux, ça m'étonnerait qu'on en ait, hein. Qu'il soit joli en tout cas. Parce que j'aime beaucoup ce bloc là. Après il y a peut-être ça. Le problème c'est que ça fait pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est bien sauf que ce sera pas bien. C'est compliqué à expliquer mais je me comprends. Ça c'est beaucoup trop propre. Ça non. Ça non. Non ça c'est pas terrible. Ça on pourra s'en servir. Un peu à droite à gauche. Voire même peut-être sur le sol. Mais ça fait pas contour en fait. Pareil, non, pour moi celui-là il reste bien. Hein. Le premier de la liste ML. Ah non, il est pas terrible lui. Hein. On fait 3 pour les couloirs du coup. 3 c'est bien. Ouais, je vois que tout le monde dit 3. On va passer sur 3 alors. On va passer sur 3. Ah, et c'est là que j'aurais bien aimé avoir un petit Venmine, là. Ça aurait été très bien. Ah, l'Iron Sheet Metal, c'est pas bête, ça, comme idée. Est-ce qu'ils ont des... Est-ce que c'est connecté comme texture, ça? Tiens, on va regarder. D'ailleurs, il y a du Nickel Sheet Metal qui passerait mieux, je trouve. Je vais d'abord regarder ça. C'est trop blanc. Peut-être que le nickel passerait mieux. Est-ce qu'on a du nickel? Hop, hop, hop. On n'a pas de nickel. On peut en faire comme ça. Hammer. Ça va coûter un peu cher, mais on peut regarder. Le nickel passe beaucoup mieux avec les, avec ces couleurs là. On va réfléchir pour ça. Je vais le retirer d'ailleurs. Nickel seed, ouais, il doit y avoir. Ouais, il y a. Je pourrais en faire. Donc, il va nous falloir celui-là.
Moins sur ce côté-là. Voilà. Donc, si on veut qu'on ait 3 sur le côté, il faut qu'on fasse moins au-dessus. Moins là, voilà. Merci Gold Hell pour ton abonnement Twitch Prime. Bienvenue à toi, merci. C'est gentil. Cette hauteur-là, est-ce que ça vous convient? Encore un. Ah, c'est tout blanc, on voit pas grand-chose, mais imaginez que ce soit de la brique. Ça fait un peu ovale, mais bon, ça passe quand même. Alors Gold Held, pour la sortie de Kappa Mode, c'est pas pour tout de suite parce que actuellement OG travaille sur le Titan Mode, mais il travaille pas tout le temps en fin de compte, il joue à d'autres jeux en attendant, mais il travaille en off et il avance dessus. Et une fois qu'il aura terminé le Titan Mode, il va probablement faire une série de bêta tests. Et ensuite, ils attaqueront le développement de Kappa Mode. Donc, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, Kappa Mode, on l'aura peut-être pour cet été, hein, je pense. Enfin, c'est à peu près. J'ai du thé qui est froid. Je pense pas qu'on peut faire des escaliers de ces briques-là. Moi, un de largeur, le problème, c'est que ça serait trop étroit après, je pense. Hein. Après, on est quelque chose... Voilà, on est sur du trop étroit, là. Imaginez qu'on met pas ça parce qu'il y aura le liquide. Thé en Lipton, je crois que c'est du thé, ouais c'est peut-être du thé Lipton, mais c'est du fruit des bois. Non j'ai pas les microblocs. Mais d'accord c'est moche, c'est trop petit hein. Il y en a qui disent parfait, il y en a qui disent que c'est moche. Ça fait plus égout tu trouves? Le problème, c'est que si on veut que ce soit plus joli, il faudrait agrandir. Et agrandir, ce serait de la même taille que derrière. Et je veux que ce soit plus petit, justement. En fait, c'est pas comme si les égouts étaient conçus pour avoir un plafond haut. Je sais pas. Je suis jamais rentré dans des égouts de ma vie, en fait. Là, ça fait moins 2. Bah oui, ça fait moins 2. On enlève un là et un là, donc ça fait moins 2. Donc on réduit juste comme ça en fait. Je vais mettre la brique parce que déjà on est sûr qu'il faut qu'on réduise. Ok, let's go. Voir ce que ça va donner hein. Alors, je me soucie pas vraiment de gaspiller de la brique. Celle qu'il y a derrière, je m'en fiche parce que ah, je peux m'en crafter autant que je veux de la brique. Donc, c'est pas souci. C'est conçu pour être à taille humaine. Ouais, donc on n'est pas obligé d'avoir un plafond super haut. Donc là, au final, c'est pas plus mal. Hey! Calmos. Alors, il faut évidemment retravailler ça, hein.
Après, pour le trou, ici, je sais pas trop où est-ce qu'on va se rendre. Et puis, je casse tout, en fait. Ah, on aura peut-être plus de facilité ici, du coup, maintenant. Si je balance ça comme ça. Au final, ce serait carré. Ce sera pas forcément rond, mais... Carré, c'est pas plus mal non plus. Hein. Au moins, on est sûr sur quoi on est. Hein. Voilà. Sinon, faut qu'on coupe les bords ici. Comme ça. C'est pas mal non plus comme ça. Hein. C'était mieux l'autre. Mais le problème, c'est que l'autre, là, pour l'enlever, on va pas tout casser. Hein. Limite, tu ferais l'entrée en losange, je pense, ça passerait bien. Moins large. Tu veux dire comme ça? Ouais, non, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça, hein. Ah, le problème, c'est qu'on est dans Minecraft. Pour faire des choses rondes, il faut qu'on soit super grand pour que ça fasse rond. Donc malheureusement, c'est soit comme ça. Si je veux vraiment faire un truc qui est censé ressembler à un rond dans Minecraft, ce serait ça. Sauf que si je fais ça, ça ressemble pas à un rond, ça ressemble à une croix. Donc bon. Et non, j'ai pas d'escalier pour faire un rond. Et des escaliers, j'en mettrai pas. Pourquoi? Parce que si je veux faire couler du liquide, ça passera pas. Donc maintenant, il faut juste trouver un bloc à mettre derrière. Et je pense qu'on va partir sur un fond plutôt noir. Hein. Le cube du milieu décalé. Le cube du milieu décalé. Non, il n'y a pas architecture craft. Non. Non, non, je l'ai pas. Sinon, je l'aurais utilisé. Pour faire du rond. Non, mais en carré comme ça, ça passe. Hein. C'est pas super sexy, mais... on voit que ça fait égout, quoi. Surtout qu'après, il va y avoir le liquide qui va couler, là. Donc, au niveau du liquide, en termes de blocs dans le fond, je sais pas du tout sur quoi on va pouvoir danser. Je sais pas du tout, du tout, du tout, du tout. En sortir le tuyau d'un bloc, je pense que ça va faire moche. Hein. Je peux essayer, mais... Qu'est-ce que ça dit de le faire ressortir? C'est du milieu droite. Il n'y a pas de problème là, c'est au milieu. Bon allez, en termes de blocs noirs, qu'est-ce qu'on peut avoir? Black. Black concrete. On peut avoir un black concrete. De toute façon, c'est juste pour faire sortir les égouts. Ok. Est-ce que mon bucket je l'ai sur moi? Non, j'ai dû le ranger et là j'ai pas assez de place pour y aller. Water, non j'ai pas. J'ai pas mon bucket sur moi, j'ai dû le ranger. Je vais regarder si je peux transformer le concrete avec le liquide que j'ai là. Bucket. Ok, fais voir. Je vais plus les décaler. C'est glitché le truc qui devient blanc. Non, pas les anti-blocs.
Non, ça se transforme pas, donc il me faut vraiment de l'eau. Y a pas des blocs ou items gris transparent style nuage à Aether pour faire une légère vapeur au-dessus des égouts. On pourrait, ouais, on pourrait. Pour l'instant, j'y suis pas allé dans l'Aether, mais il existe. Bucket, on va reprendre ça. Tu meurs. Tu me donnes un cœur. De l'eau. Ok. Voilà. Ok. Allez. Voilà. Et du coup, il reste plus que ce mur-là. Du coup, c'est quoi qui me manquait pour faire d'autres concrets? C'était pas du colorant noir. Non, c'était du sable. On va pas trop poser de problème pour le faire, ça. Ok. Et là, du coup, c'est quoi? Du gravier qui nous manque. Voilà. Parfait. Nice. Le bloc ferraille sur les côtés, genre le prolongement du tuyau ou un bloc noir en fond. Il va y avoir des tubes qui vont traîner un peu à droite à gauche. Mais pour l'intérieur, on va d'abord mettre tout en noir et ensuite on avisera sur ce qu'on peut mettre. Ok, et là-haut pareil. Quoique là-haut, ça va être compliqué, il va falloir d'abord que je le transforme. Voilà. Primitive mobs are strong and they have miner. Ok, donc il y a des mobs qui vont venir miner dans notre zone. Ça veut dire ça. Prolongement du tuyau, du coup, vous dites. Un truc comme ça, c'est ça? Plus de mineurs en vertical va arriver. Possible, hein? Ça, c'est trop, ça. Peut-être finalement mettre à ce niveau-là. Ouais. Ok. Maintenant pour le sol ici, il va falloir... Ça va être désactivé, ça. Pour le sol ici, c'est ce qui va être le plus compliqué, c'est savoir quel bloc mettre pour qu'on ait une impression de sale. Avec justement nos blocs, notre liquide qu'on va poser au-dessus. Ça, c'est ce qui va être le plus compliqué à trouver. Ça, on met full mossy cobble ou un truc dégueulasse, je sais pas. C'est pas du tout. Oui, ça fait pas badaboum. Tiens, fais voir la ferme mob où ça en est. Est-ce que t'as d'autres choses à trier? Oh, tous ces cœurs, faut vraiment que je fasse quelque chose. On récupère ça qu'il va falloir qu'on trie aussi. Nécrotique bone, on ne l'a pas trié. Donc les cœurs, ça fait quoi? Les cœurs, ça me fait rien du tout. Hein. Ça a posé problème, ça. Je m'en occuperai après. La dirt chisel. Ah oui, pas bête. Pas bête, ça. La dirt chisel. Qui ressemble à de la soul scène.
pas grand chose de concluant là-dedans. Hein. Voir ça. Je vais essayer ça pour voir. Faut que je prenne 3 buckets. Grâce chisel, je sais pas si ça existe ça. Alors, fais-moi voir un petit peu ce que tu peux nous faire faire. J'aime beaucoup. Je trouve ça stylé en fait, comme ça. Ah oui, c'est vrai que je peux valider la quête des Necrotic Bones. Faisons-le. Voilà, et en attendant, on va mettre un autre drawer là. Tac, tac, tac. Drawer, touc. Touc. Bim, bim, et bim. J'en ai combien de là? 21, on va pouvoir se faire nos cœurs aussi après. Ouais, c'est sympa comme ça quand même, hein. Soul Stealer. C'est crade comme on voulait. C'est exactement ça. Tu veux dire avoir des blocs comme ça là? Mettre ça comme ça? En fait, j'aime bien le fait qu'il y ait la bordure sombre. Ça donne encore plus un effet de profondeur, je trouve. Après, pour le liquide, ce qui va être marrant, c'est de devoir essayer de le faire couler jusque là. Ok. Parce que pour faire couler le liquide jusque là, il faudrait que je remette une source d'eau. Enfin, une source de liquide. Mais il faut que ça fasse tout le temps du liquide en continu. Et ça, ça va être compliqué, je trouve. Hein. Parce que si je fais ça comme ça, il va juste l'augmenter d'un. Il augmente juste d'un. Comment on pourrait l'agrandir, ce truc-là? Si je te mets une source d'eau là. Ouais, on voit qu'il y a la source qui se balade par là-bas. Donc si je fais ça, il faudrait que... Ah putain, ça va être beaucoup de nutriments distillation qu'on va devoir mettre. Hein. On les entend arriver, les mobs. Non, reste là, toi. Hop, mets-toi là. Hmm. Rien qui choque avec les Necrotic Bones? Non. Il y a du Wither Bone et du Necrotic Bone. Non, les sources infinies de nutriments, c'est pas possible. Donc là, en gros, tout le liquide de notre base, ça va être du nutrient, donc ça va être Cheros. Hein. Ah, j'ai combien de liquide là? 32 buckets. On peut s'en servir. Toc. Oh, Cheros, tout est relatif, étant donné que je vais récupérer pas mal de têtes de mob et je vais également récupérer. Enfin, tout est autocrafté pour être bien, quoi. Bon, j'attends, ils vont pas tarder à me tomber dessus. Hein. Donc là, liquide, liquide, liquide. Liquide, liquide, liquide. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hein. Et ça va juste continuer à faire couler le liquide jusque là-bas. Et arrivé là-bas, donc je vais reprendre ça. Il me faut ma télécommande. On va prendre dirt encore. Parce que j'aime beaucoup la dirt qu'on a chiselée. C'était une très très bonne idée. C'était celle-ci? Yep. Faut du bruit les mobs. Hein. Voilà, là il faut que ça coule encore. Ah, quoique, on peut peut-être laisser tout au même niveau. Hmm.
Je sais pas trop. Philippe Chiraud, mais non. Que dis-tu? Cette base absolument pas chère. Ouais, c'est stylé, hein. Une de plus profond, c'est une bonne idée. Ouais, il faut que je mette un de plus profond ici. Que ici. Bon, ça servait à rien, la dirt que j'ai mis en dessous, mais c'est pas grave. Va-t'en, toi, va-t'en. Ok. Et donc là, là, je vais remettre aussi de la dirt, en fait. Comme ce qu'on a là-bas, finalement. Très bien. Et là, on est au bon endroit, donc on remet de la dirt là. Bonjour. Ça va, les gars? Ah, la vache, ils sont en diams, en plus. Ils rigolent pas, les mecs, hein. Et le temps qu'il place le liquide tout seul peut t'aider. Si, il faut que je m'en serve. Utilise ta wand. Oui, je pourrais me servir de ma wand, oui. Je suis full connerie. Rangeons ça. Si je reprends mon container. Non, c'était le... Alors, je sais pas si je l'ai gardé sur moi. Non, il est là-dedans. Thermal, ça s'appelle comment? Réservoir. Peut-être parce que la difficulté est en 121, c'est possible. Hein. Tu me diras, le créosote, on n'a pas regardé. Qu'est-ce que ça pouvait donner, hein? Oh, ok. En vrai, le créosote était pas mal non plus. Vous préférez quoi comme liquide? Le créosote ou le Nutrient Distillation? Un mix des deux. Ça va être compliqué, mix des deux. Ouais, le nutrient fait plus opaque. Clairement, il fait plus opaque. Peut-être qu'on peut le garder dans une zone où ce sera... Peut-être dans la zone où tout le nutrient distillation va arriver, en fin de compte. Parce que dans l'idée, on va avoir tout le liquide qui va arriver là, qui va couler ici. De l'autre côté, ça va être exactement la même chose. Ça va être un miroir, en fin de compte, à la même distance. Et peut-être qu'arriver au milieu, ici, tout le nutrient distillation va se barrer. Va passer peut-être sous de la stone qu'on voit pas. Et plus loin, on aura tout le concentré de créosote, quoi. Peut-être. Qu'il fasse, justement, sale. Ah oui, mais au fait, c'est parce que c'est plein, ça. Ah. Très bien. On s'en servira pour plus tard. Donc, réservoir. Couleur vert, sale créosote. Non, ça va faire une coupure trop nette. Faudrait mettre de l'eau au-dessus du plafond, certains endroits, pour faire genre... Ah oui, complètement, Nameless, complètement. Faut regarder si d'ailleurs ça fonctionne avec ce qu'on a mis. Alors, clic droit, ça le pose ou pas? C'est pas ça qui me servait pour faire bucket, hein. Peut-être. Ah si. Si, c'est ça. Ok, on va essayer de voir si le liquide passe à travers. Très bien. On va essayer là.
Ou est-ce qu'il faut vraiment de l'eau pour qu'on ait des particules? Vu que tu as d'autres profondeurs, tu peux mettre la couche du fond en opaque et la couche dessus en plus clair. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je regarde ce que ça donne, hein. Je suis pas sûr que ce soit... Je suis pas sûr que ça le fasse, mais on va regarder. Donc lui, si je le pose là... La coupure est trop nette ici. L'idée est bonne, hein. Mais la coupure est trop nette ici. Ouais, je suis pas fan non plus, hein. Too bad. Tant pis, tant pis. On va rester sur l'idée que le Nutrient Distillation, on s'en servira ailleurs. Hein. Non, ça rend pas très bien. Mais non. Mais non. Incroyable. Ok. Donc j'ai l'impression que ça me met pas le liquide, là. Donc il faut vraiment mettre de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Si je mets de l'eau, est-ce que ça marche? Laisse-moi monter. Oh là 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 là. Je pense que je vais vite fait essayer de me faire cette armure en Dark Steel. Bien joué. Putain. Qu'est-ce que ça m'agace quand ça fait ça? Oh là là. La fontaine en fond, pas où je le trouve. Tu veux que je fasse comment? Parce que là, c'est pas fontaine. Ça coule du mur, là. Ok. Alors, est-ce que tu drops des gouttes? Ça drop des gouttes. Ok. Alors, dis donc, l'ambiance... Gloomy, c'est sympa. Donc ça drop des gouttes, ça veut dire que... On va passer au-dessus. Il va foutre de l'eau tout au-dessus, là. Donc je vais me récupérer un autre bucket. Si tu fais juste un sol de créosote avec le nutrient qui coule dessus, vu que le nutrient stoppe le créosote. Pourquoi faire ? Allez, voilà. Ok, sur cette surface-là, il faut qu'on mette de l'eau. Donc là, on va devoir creuser. Alors c'est tout jaune, hein, mais c'est comme ça. Ok, là ça s'arrête. Et là ça va pas plus loin. Ok. Là, tu me diras, ça sert à rien d'en mettre là aussi. Ici ça servira à rien. Ok. Et ici c'est très bien parce que je crois que là-bas c'est fini. Yep. Ok, donc là on est bien au niveau des dimensions. Ah, je suis d'accord, hein, que ça fasse jaune pisse, hein, mais bon. Hein.
J'ai pas le choix. Je suis en train de mettre de l'eau au-dessus de mon couloir. Pour que ça fasse comme si il tombait de l'eau en fin de compte. Enfin, il y avait plein de gouttes. Grossièrement, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ici ça vaille le coup de mettre un bloc là. Non, ici ça sert à rien. Ok. Par contre, là, ça sert à quelque chose. Yep. Donc c'est ça, ici on met rien. Donc on va partir sur de l'eau là. De l'eau ici. Et on va mettre de l'eau partout, juste pour avoir des gouttes. Vous vous rendez compte? Oh, il y a foutre de l'eau partout en dessous. Très bien. J'aime bien quand il y a de l'eau partout. Ok. C'est qui Lola? Lola, c'est une fille. Voilà, c'est terrible. C'est terrible. Oh les mecs. Et là, on est sur un truc qui tue. Oh, ça te roule le cul. Les petites gouttes d'eau qui tombent. Oh là là, c'est mortel. En vrai, ça fait égout, là. Hein. Bon, c'est peut-être encore un peu clair, mais... C'est vraiment sympa. Hein. On va essayer de mettre le liquide jusqu'au bout. La miniature, peut-être. Hop. Alors. Liquide ici. Ah, il y a un fort d'hôte. Elle a pu? Ah, elle a pu. Ok, donc on va espérer que... entre ce live et le prochain, je récupère un petit peu plus de nutrients distillation. Hein. Il va falloir que je mette une toute petite automatisation, c'est-à-dire derrière, je vais lui injecter les items que je veux et que ça tourne non-stop. Et du coup, je pense que là, au niveau de la déco, on va peut-être s'arrêter. On a vu à peu près comment il fallait que je fasse. Donc, peut-être que j'avancerai là-dessus. Hop, je récupère ça, d'ailleurs. Mais c'est sympa, hein. Il y a du mob un peu aussi derrière. Witchwater, c'est beaucoup trop violet. J'étais parti pour faire quoi? Ah oui, il faut qu'on termine de trier ces conneries là. Oh. Ah, puis il récupère vraiment de tout hein, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment de tout. Comment je vais pouvoir récupérer ça sans qu'il m'embête? Ça, c'est le seul problème. Ça, il faut que je me refasse un autre drawer. Drawer. Tac, 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 tac. On en prend deux. Ok, on va mettre ça à la suite. Hein. Très bien. Ok, et ça, le molten core. Ok, bon, c'était pas vraiment ici que je voulais le mettre, mais tant pis. Et du coup, ça que je voulais trier aussi. Quand même les garder, hein. Voilà. Étant donné que je crois qu'on garde les autres pépites. Ouais, on garde les autres pépites. Donc autant les garder aussi, ceux-là. Et après, pour le reste, ça faut que je le benne. Mais pour le benne, il faudrait que j'arrive à le choper dans un filtre. Et ça, c'est pas gagné pour le choper dans un filtre. C'est pas gagné. Alors, le mettre dans un drawer, je pense, plutôt. Mais bon. Mais pas encore. Je m'en occuperai plus tard, parce que ça risque d'être un peu chiant de le faire. Regarde dans le mini refine si tu récupères les têtes de Wither. On va regarder. Alors ça va lag, hein. Ah, ça pas lag. Ah, vu que je descends, ça va lag. Ok, là ça lag. Prochain live lundi? Non, prochain live dimanche. Il y a tellement de têtes. Non.
Si, 9 têtes de Wither. On va le faire parce qu'il y en a qui me le réclament. Voilà, l'ultimate. On l'a. Ok. Les têtes de Wither, je vais les ranger. De toute façon, j'en ai plus ici. Ouais, j'en ai plus ici, donc on va ranger. Et là, on va se faire les cœurs. Donc là, en premier lieu, il faut qu'on fasse ça. Ok. Voilà. Quoique. Bone. Tu peux prendre cela? Yes. Donc on a les 5 qui nous manquent. Ok, c'est les fameux 5 qui vont nous manquer. Là-dedans. Le bleu et le vert. Donc, pour avoir le orange, il me faut des golden apples. Gold. 1, 2, 3, 4. Ok, on est bien. Tac. 5 et 5. Ok. On passe au cœur vert maintenant. Pour le cœur vert, il me faut des Nether Stars. Donc il me faudrait 10 Nether Stars. Chose qu'on va pas pouvoir avoir. Shulker Shell, pareil, je crois pas que j'en avoir des tonnes. Shulker Shell, j'en aurai assez. Par contre, Nether Star. Oh, j'en ai plus du tout. J'en ai plus du tout de la Nether Star. Ok. Donc on va peut-être remettre ça là-dedans. Ça, je peux me refaire un au moins. Ce sera déjà ça. Ce n'est pas un cœur, tu enlèves à la main. Avec le cœur. Tu avais un drawer à côté de la poubelle et tu l'as verrouillé. Non. Il n'est pas verrouillé. Skull. On peut s'en faire que deux Wither. Hein. On peut se faire que deux Wither, c'est pas très intéressant. Alors, on en a pas un. Hein. Ok, bah écoute, on va se faire les Ice Dragon pour avoir la quête. Et on va faire ça dans la dimension de minage, histoire de dire. Ah oui, mais il fait nuit là-dedans. C'était pas la bonne idée, hein. Il fait nuit, du coup, il va y avoir plein de mobs. J'espère que la nuit va passer assez vite. Oh là là. Aïe aïe aïe. Quelle idée de faire spawner les mobs dans cette dimension, quoi. Toutes ces araignées. le Rage Addon Fortune pour les crushers. Ça marche, ça? La donne fortune, est-ce que ça fait l'effet looting du coup? Pourquoi d'un seul coup je suis ralenti là? Casse-toi. J'ai l'impression d'être ralenti de temps en temps. Je sais pas si c'est mon armure qui fait ça. Ça marche, bonne nuit, A7. Ah, ok. Donc, si je fais le fortune upgrade, on est censé avoir du looting. Ok. Bah écoute, on va y aller. Parce que ça devient n'importe quoi, cette zone. Hein. Manning World avec des mobs, je suis vraiment pas fan, hein. Il est mort. Il est mort. Sniper duel, très bien. Bah écoute, on va ranger toutes ces conneries, hein. Donc, range add-on. Non, ça va être add-on. Voilà. Donc celui-là, si je fais fortune upgrade, ça me fait le looting. Ah mais il faut du pink slime, c'est mort. J'ai pas la machine qu'il me faut encore pour faire du pink slime.
Non, ça va au niveau du corps, j'ai pas grand chose. Bon, vu qu'il fait nuit, on va pas pouvoir faire grand chose. On va regarder les quêtes qu'on peut claquer. Ah bah celle-là, du coup, on l'a claqué. Du coup, ici, Creative Modifier, on les a. Hein. J'en ai tellement. Ok. On va terminer toute cette partie-là. Ça, c'est bien. On pourrait se mettre du Creative Modifier sur nos outils, mais nos outils ont déjà beaucoup de modifiers. Allez, il y en a 7, 6, 3, 4, 7, 7. Donc je sais pas si ça sert à quelque chose, surtout que mes outils, je sais pas qu'est-ce que je peux leur mettre. Alors attends. J'ai pas de Pink Slime. J'ai pas de Pink Slime et le Pink Slime Ingot qui me demande s'il faut du liquide directement comme ça. Je suis pas sûr d'avoir le... Non, j'ai pas le liquide. J'ai pas de Pink Slime, sûr et certain. Pour le coup, là, j'en suis certain. Sunrise, je vois, donc il va bientôt faire jour. Ah, Creosote. Il me donne un tank en plus. Steel et Blast Brick. Ouais, ça, je verrai plus tard. Ça, c'est les quêtes qu'on va faire en mode... Balek. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est des villageois, ça échange des trucs. Ah, sel. Ok. Je sais pas si c'est bien utile, mais... Oh. Pour des trader tokens. T'es la vache, ils ont beaucoup de trades, hein. Tout ce qu'il y a là-dedans, mon dieu. Ok. Merci Redneo pour le host. Bienvenue à tes chères bananes. Et bienvenue Redneo. Bienvenue. Toi t'aimes bien les doudounes, je suis désolé, mais c'est pas des doudounes ça, hein. Ça s'appelle des polygones. Daytime. Alors dis-moi qu'il n'y a plus de mobs là-dedans. C'est bon, je peux tous les péter pour être tranquille là. Calmez-vous qu'on vous dit. Ouais, ça va se calmer là. Et là, il va plus y avoir grand monde. J'irais même plus que si on se barre assez loin, on aurait vraiment plus de problème. Hein. Donc, let's go. J'ai rangé mon slime sling. Oh. Saloperie. Me foutre dans une toile d'araignée. Ah, oh, c'est chiant ça. Slime sling. Ouais, je l'avais rangé sans le vouloir. Ok. C'est le Nether, ça, monsieur. Ah, d'ailleurs... Ah, si, il y a toujours mon trou. Hein. Alors, les 8 jours, je crois que c'est un peu du pipeau. Hein. On va se mettre un peu éloigné, genre là, c'est pas mal. Ok, là, on est pas mal. C'est un gros dragon en plus, hein. C'est peut-être 8 jours passés dans la dimension, peut-être. Peut-être. On a gagné un... Ah ouais, en fait, c'est les gros dragons. C'est ceux qui sont super durs à battre, en vrai. Combien de OS? Enfin, on l'a pas one-shot, mais bon. Du coup, j'ai un œuf de dragon. Très bien, c'est mignon. Oh, il est mignon! Regardez-le!
me le compte au moins. Oui. Y'a rien à bouffer là-dessus. Bah ouais, y'a rien à bouffer, y'a qu'une tête. Incroyable. Tu veux ta monture volante. Ah, mais ma monture volante, oui, c'est vrai que le dragon, il est bien pour pouvoir voler dans les dimensions. Mais il est absolument pas pratique. Vraiment pas pratique. Tu as un cœur dans ton sac pour les filtres à items. What? C'est pas le même cœur, hein. C'est un cœur de Bubbly Heart. Dis donc, le premier dragon était quand même plus classe, hein. C'est quoi ces dragons de petit pipi, là? Eve, t'envole pas, reste couché. Voilà, couché. Ok, là-dessus, il y avait un petit peu plus à grailler, hein. Ah bah non, on n'aura pas de gros dragon, tant pis. On aura fait notre quête au moins. Voilà. Très bien. Tout ce qu'on voulait. Et ça me donne encore un œuf de dragon avec un loot chest. Et d'ailleurs, c'était celui-là, le Hellslime Dissolver, qu'on a eu. Loot chest, bien sûr. Merci pour ton abonnement Twitch Prime, HPix. Bienvenue. Kling ding. Ça arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a? Rien. Rien. Dommage. Non, de ce côté-là, en fait. Recommence. Par là-bas. Tourne-toi. Là, tu y es. Ok. Et merci, Nameless, pour les 100 bits, d'ailleurs. Go faire les armures des dragons. Alors, je pourrais, ouais, maintenant. Mais après, il y a beaucoup de dragons différents. Là, on a fait les dragons de feu et de glace. Mais dans les dragons de feu et de glace, il y a des couleurs de dragons différents. Donc, pour le coup, tu vois, t'as du émeraude, du grey, du blue, du white, du bronze, du red. Bon, celui-là, je pense pas qu'on peut faire grand-chose avec, mais parce que ça vient des... comment? Des sirènes. Donc, il m'en faudrait plus. Il faudrait que je tue plus de dragons de glace pour avoir du blue scale, pour avoir les armures. Parce qu'il m'en faut 24, du coup. Chose qu'on n'a pas actuellement. Je vais automatiser ce truc-là, là. Je vais lui donner tous les nutriments qu'il veut, donc des têtes de mob. On va prendre un conduit. Un crate. Spider Eye. Donc on m'avait dit, CTRL-SHIFT, clic. 5 fois ça, allez go. Séquestre des animaux dans ton égout, ben, c'est déjà le cas, hein. Et là, c'est bon, 5. Et du coup, aide. Non, tête d'occupant, on s'en fout. On va prendre des têtes de zombies. Tu me diras, j'ai pas besoin de conduire en vrai. J'ai juste besoin de faire ça. Et lui dire, non, pas ici. Oh là là, oh là là. Tiens. Non. Comme ça, voilà. In. Voilà, donc il va me produire tout le nutrient distillation que j'ai besoin. Donc ouais, les animaux que j'ai déjà, ils sont là. Hein. Je sais pas si ça va me servir à grand chose, mais bon. Oh, j'adore les gens qui font du slash me. Les bons à rien. Ok. En vrai, pour vraiment être bien, il faut, faut qu'on continue la déco de la base, en fait. Hein. Pour ce qui est du liquide, là, on va le laisser tel quel. C'est très bien. On va blinder de torches pour le moment. Rassurez-vous, on changera ça plus tard avec du des blocs peints avec le painting machine. C'est pas un problème. Mais pour l'instant, on pose les torches. Et d'ici, on avait dit qu'on mettait, du coup, hop, ceux-là, les fameux fluid pipes. Mettez des fluid pipes. Genre comme ça. Tu vois, tu mets des fluid pipes comme ça. Juste histoire de dire que t'as des pipes qui passent.
Alors là, ça fait bizarre parce que c'est pas connecté ni rien. Si tu regardes ici, c'est pas connecté. Mais pour le faire connecter, je sais pas comment le faire sans que ce soit dégueulasse. Donc en vrai, comme ça, c'est pas trop moche non plus. Hein. Ou alors à la rigueur, même. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Prends ça. Est-ce que j'y ai accès? Yes. Pipe. On peut passer les tuyaux comme ça. Non, 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 non. De travers comme ça. Histoire de dire il y a des tuyaux dans les égouts. Un peu comme l'image que j'ai montrée en début de stream. Qu'on m'avait envoyée. Si je le fais rentrer dans le mur, il n'y aura plus de mur en fait. Il n'y aura plus de bloc. Faudrait que ça soit collé au bloc, mais je ne peux pas le faire. Sauf s'il y a des façades. Mais je ne pense pas qu'il y ait des façades avec immersive. Hein. Immersive. Je sais. Je sais. J'ai la solution. Vous allez voir. J'ai la solution. Enfin, j'espère avoir la solution. painting machine. Ok, c'est faisable. Ok, on va la mettre là, la painting machine. J'ai pas de coil, je les ai laissés là-dedans, là. Nice. Coil. Nous allons prendre briques. Et nous allons faire des façades. Je prends du façade, tout ce qui est plus classique. Juste un, histoire de voir si ça marche déjà. Capaciteur. Tu peux mettre les pipes dans les scaffolding. Ouais, mais ça m'intéresse pas de les mettre dans les scaffolding. J'ai mieux. T'as une vanne? Non, je pense pas qu'il y ait des vannes. Ah, minimum capacity, très bien. Clic, clic. Coup de clear glass. On peut les faire facilement, le coup de clear glass, non? Coup de clear glass. C'est juste du verre. Ok, vas-y, fais voir. J'ai pas trop envie de gaspiller. Ok, send. Oh bah tu me diras, je peux mettre ça là-dedans. Non, ça par contre, il faut que je le remette là-dedans cette fois-ci. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une croix rouge devant mon refine. Je sais, Nameless, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça tout de suite. Je laisse tel quel pour le moment. Il y a trop de craft. Il y a complètement trop de craft. Donc, conduit. Juste besoin de ça, en vrai. Du coup, maintenant, on va aller vérifier si ça marche. J'espère que mon idée fonctionne. Parce que si je mets un fluid pipe, celui-là, il est censé se connecter avec lui. Voilà. Et là, bim! Ça, ça c'est beau. J'ai plus de thé. C'est classe quand même là. Hein. Ça fait sympa. Du coup, on voit pas que c'est un bloc caché, mais bim quoi. Oh là. Je kiffe. Du coup, je vais en mettre un là. Probablement un là-bas, un ici, enfin bref, ça va être excellent. Ça va être excellent. Pour le coup, on essaie quand même de faire, comme vous pouvez le voir, un effort sur la déco. Hein. Tac. Non, là-dedans. Ok, donc maintenant qu'on sait comment faire, je le ferai plus tard. Là, ce que j'aimerais faire... il nous reste très peu de temps, mais... Mmh.
voiture qui traverse, tu devais utiliser celui d'Ember. Comme ça. On va regarder. Je trouve que ceux-là ils vont être trop fins. Je trouve ça trop fin. Je trouve ça trop fin perso. Trop fin, ouais. Ouais d'accord. Donc l'autre question que je me posais. C'est pas RP du tout. Al-Kazim, doucement, doucement. Al-Kazim, il va me taper, il va couper le serveur, il va me dire fuck you. Alors, on va l'écouter, Al-Kazim, c'est lui le patron. Voilà. Les petits câbles, tu vois, je les verrais plus, genre en haut, comme ça. Et d'un seul coup, tu sais, pouf, t'as une petite connexion qui se barre, comme ça. Tu vois, un truc dans le genre. Et pareil, je vais regarder si les petits câbles du coup d'Ember. Normalement oui, mais je vais quand même vérifier. Si ça se connecte avec ces câbles là. Donc du coup si ça se connecte, on pourrait les connecter au mur. La flemme. Kazim il a la flemme. Est-ce que ça se connecte ou. Ah oh, fuck. Oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Damn it. Ça se connecte pas. Ça c'est naze. Ça c'est naze. Alors peut-être que il y a une autre solution pour ça. Ce serait des extracteurs. Carminite, je l'ai pas tout ça. Oh, quoique. Quoique, quoique. Très bien, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ok, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Je vais voir si ça peut se connecter au mur. Améliore ton armure. Il n'y a rien à améliorer sur l'armure. Il faudrait que je la change directement. Ah, ça se connecte pas. Dis-moi que tu te connectes à ça au moins. Oui. Yes. On va pouvoir les connecter au mur. C'est bon, c'est bon. On a trouvé nos solutions. Donc voilà, on aura un petit réseau de câbles comme ça. Tu peux peindre un tank? Oui, oui, on peut peindre un tank. Je suppose que ce tank-là, je peux le peindre pour le cacher, par exemple. On va essayer. Là. Ah non, je peux pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un NBT dedans. Aucune idée. Je pense parce qu'il y a NBT. Si je t'en craft un autre tank pour voir rapidement. Non, ça passe pas. Ok, tant pis. Triste. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. La question que je me posais. On va avoir de la déco ici pour les égouts. J'aimerais savoir votre avis sur une chose. Parce que. Dans l'idée, comme j'ai déjà expliqué en début de stream, on va avoir le grand couloir principal ici, où au final, tout va virer. Ici, tout va virer, on aura juste un grand couloir pour les égouts. Je ne sais pas encore comment j'organiserai la chose, mais voilà, il y aura les égouts ici. Et ensuite, on aura ces petits couloirs pour les égouts. D'accord ? Sauf que, il faut qu'on ait nos salles pour travailler nos mods. On a Tomcraft. Si on regarde les mods qu'on a d'ailleurs ici... Oups. Alors immersive, on squeeze, on fera les crafts, mais on s'en servira pas forcément, du moins je ne pense pas. Ah, tiens, il y a des quêtes ici à récupérer. Si je fais ça, clique, je peux récupérer les deux. Alors ce mode là je le connais pas, faudra qu'on le regarde. On va avoir une salle pour Botania, une salle pour Ember. On avait dit qu'on essayerait peut-être de mettre Astral sous terre, avec des blocs de verre au-dessus. Ça va être galère, mais je pense qu'on peut le faire. Parce que remonter à chaque fois, ça risque d'être chiant. On verra à ce moment-là. Tomcraft, évidemment. Et on a PSI. Alors, PSI, je pense pas que ça prenne trop de place.
Après, on a Draconic Evolution, mais ça prendra pas beaucoup de place non plus. Et le modpack n'est pas trop gourmand en termes d'autocraft ou quoi que ce soit, donc on n'aura pas besoin d'avoir trop de craft à faire. Ça, c'est chouette comme... Oh, 10 de chaque, c'est sympa. Ça, c'est, par contre, c'est de la bonne grosse merde, ça. Ça, c'est de la chiasse liquide, ça. Dégueulasse. Voilà, ça, je garde. C'est bien, ça. Donc, l'idée, c'est savoir, est-ce que nos fameuses salles, est-ce qu'on fait des passages secrets dans les couloirs ou est-ce qu'on fait des ouvertures dans les couloirs? Genre, par exemple, je sais pas si ça se fait dans les égouts, mais t'as peut-être une porte ici qui se fait. Genre, t'as une porte ici avec un panneau au-dessus qui te dit que tu vas quelque part. Et du coup, dans ce mur-là, tu arrives justement à la fameuse zone. Au-dessus de ton liquide, tu penses mettre quelque chose pour pas tomber dedans? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Peut-être que je me mettrai des grilles. Justement. Un truc comme ça. Fuck you. Genre des grilles comme ça. De temps en temps pour passer par-dessus. Comme une sorte d'entrée de service, oui. Bonne vieille porte en iron. On pourrait, d'ailleurs, il y a peut-être des doors spécifiques là-dedans. Il y a pas mal de portes différentes. Dark Steel Door, un peu abusé ça. Il pourrait y avoir des portes en bois qui se connectent un petit peu. Genre ça là. Le Moss Bark Door de Erebus. Peut-être que ça pourrait être intéressant de regarder Erebus, peut-être la prochaine fois, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Parce que cette porte-là, j'ai envie de la tester, voir ce que ça donne. Sauf que je peux pas la tester parce que j'ai pas les blocs. Et si ça se trouve, on pourrait peut-être mettre une porte qui se fond bien dans la masse, je sais pas. Après, je mets des portes pour que ce soit RP, mais on utilisera ça pour se téléporter directement dans les zones où on veut, hein. Genre quand je voudrais aller à la base, pouf, je fais ça, clic, voilà, t'arrives à la base. Bon là, je peux sortir dehors, etc. Mais je vais enlever le FC. Wow. Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Je ne sais pas. Base. Tu peux me montrer où est la base? Elle est là. Ok. Donc on se déplacera comme ça pour que ce soit plus pratique par la suite. Mais en gros, ouais, peut-être des portes comme ça. Porte de service pour aller ici. Tu fais comme si tu remontes à la surface avec des échelles. Ouais, je pense que je ferai un tube avec des échelles dedans. D'ailleurs, juste rapidement, ladder. Ouais, on a que des ladders de base. Bref. Bon, on va se laisser là pour ce stream. On a bien avancé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait toute la déco de cette zone-là, ce qui est pas mal. On a mis pas mal de graines pour avoir plein de choses. En fin de compte, on a avancé sur quelques quêtes, donc ça fait plaisir. Je pense qu'au prochain stream, on va essayer de regarder Erebus. On va rentrer dans Erebus et regarder si on peut trouver les fameux blocs qu'il nous faut. Et en même temps, essayer d'aller battre les boss qui sont demandés pour les quêtes, etc. Moi, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, les amis, et bientôt. Bye. Grace.